Allô, coucou, bonsoir tout le monde. Allô, bonjour, bonjour. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je fais un direct. Je viens là parce que je suis outrée, je suis pas mal, je suis outrée parce que il y a pas longtemps, j'ai Myriam Biaga, qui est la OK. petite sœur de tonton, l'homme qui m'a épousée, D'accord. qui a appelé mes enfants bâtards. Ça, c'est pas bien. Chose curieuse, tonton, il n'a pas intervenu. Il n'a rien dit. Il n'a jamais rien dit. Alors, aujourd'hui, elle a fait une vidéo où elle insultait. Attendez. Coucou, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Lady Valichouz, comment allez-vous? Avant de continuer, avant de vous faire ce Congo ça, vous devrez d'abord me dire bonsoir. Parce que quand c'est pour me critiquer, pour rigoler, pour m'insulter, pour me dénigrer, là, vous êtes fort. Là, vous venez écouter, quand j'ai des bons Congo ça comme ça, vous venez écouter, je vous fais partager, vous venez écouter, vous ne dites même pas bonsoir. Vous me dites bonsoir d'abord avant que je ne continue. Sinon, je ne partage plus rien avec vous. Je ne partagerai pas les bons plans, les bonnes choses, etc. Voilà. Je vois que là, vous êtes déjà 60 personnes en 2 minutes. C'est bien. Vous êtes tous là en train d'attendre le Congo, ça. Vous venez comme ça, vous ne dites pas bonsoir. Coucou. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde. On dit quoi? Vous vous connectez et vous partagez le direct pour faire large diffusion, pour faire profiter le Congo, ça. À d'autres personnes qui aiment aussi le Congo, ça comme nous. Voilà. Bonsoir Julienne. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Kendra Lovato Kimi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez, hein. On va faire un terrible Congo, ça maintenant, là. On en a au moins pour 30 à 40 minutes ensemble. Bonsoir Solange. Coucou Julienne. Bonsoir. Bonsoir Bernadette. Bon, vous m'avez dit bonsoir. Maintenant, sans plus tarder, je vais continuer parce qu'on n'a pas trop, on n'a pas le temps à perdre. Le Congo, ça est chaud, 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 là maintenant. Là, il faut décortiquer. C'est très grave là. Bon, c'est Mon parti. papa et ma maman mort, qui sont morts du sida. Myriam Biaga, je m'adresse à toi. Ça a cuit. Et là, c'est une entrée en matière parce que je vais revenir tranquillement avec les preuves à l'appui en ce qui concerne toi, en ce qui concerne ta maman, en ce qui concerne ton frère, en ce qui concerne ta famille, Ça parce a que tu cuit. es rentré dans tout ce sujet et moi je rentrerai dans tout ça exactement. Myriam Daga, C'est qui Myriam est-ce machin? que tu connais ton père? Ça a cuit. Ton père, c'est un homme marié qui est mort il y a quelques années. Tu connais pas ton père? Il est venu vivre avec ta maman quand le mari de ta mère, que tu appelles ton père, Monsieur Becker aujourd'hui, travaille à Samélima. Tu connais pas ton père. C'est pas ton père, Monsieur Becker. Donc, tu es un enfant bâtard, né d'un insecte. Ta maman couchait avec un homme marié pour que tu naisses. OK? Merde. Ça a cuit, ça Et a ta cuit. maman, à l'heure actuelle, elle est folle. Elle a l'Alzheimer à cause de la sorcellerie. Merde. Monsieur Becker est mort de la famille. Il avait faim. Oui. Ta maman est chie dans les chiottes. Aïe, Elle aïe, chie aïe. dans la rigole. Il n'y a Hein? pas de passage pour arriver où ta maman vit. Elle vit dans le marécage, dans les chiottes, dans une rigole. Et j'ai une photo, je vais le poster. Mais ça, c'est sa À maman. 16h, ça c'est la matière. Et toi, Myriam, on revient au mouton. Tu appelles les enfants bâtards? Quand j'arrive en France, je fais trois fois in vitro. Myriam, j'ai les documents, le dossier médical Les secrets de sont Isha. dehors. Je l'ai. Les secrets sont dehors. Venez, oh, pardon. Ça a cuit. Je l'ai. OK? Je vais montrer aux internautes, chers frères et sœurs, pourquoi Myriam Biaga appelle mes enfants bâtards. D'accord. Je me suis mariée avec son frère.
Monsieur Georges Dibate dit tonton il y a 25 ans. Ah ouais. On a eu trois enfants. Après, on a fait trois fois in vitro. J'ai son spermogramme, je le mettrai sur Facebook. Aïe, 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 aïe. Parce que son frère a laissé que cette fille appelle mes enfants bâtard. Donc, je vais vous expliquer la vérité. Rebecca, la touriste. Tu es une femme? Je te réponds après. Est-ce que tu es une femme? Je t'ai trouvée dans la chambre en train de coucher avec Carole Tank. Hé hey. Tu peux me parler? Tu es une lesbienne. Tu es une lesbienne. Carole Tank couchait avec ta grande sœur et toi-même. Merde. Tu es une lesbienne depuis des années, ma chérie. Appelez les gens. Tu as volé l'argent de Landry. Pour aller payer la médaille de ta maman qui m'a amené chez le marabout trois fois. Merde! Pour essayer de me tuer. C'est pas vrai. Si je mens, viens ici là. Tu as dit quoi? Tu as fait le directeur qui m'a même dit quoi? De sida? Ta mère est sidéenne à Yaoundé, non? Elle est folle, elle est enchaînée. Hey! Quoi? À cause de la sorcellerie? Le vampirisme? Je sais pas ça. Ta maman est enchaînée à Yaoundé. Vous dites qu'elle a la gamelle, pas la gamelle. C'est là le vampirisme. Une maman qui amène la femme de son fils chez le marabout. C'est pour faire quoi? C'est grave, ça. Tu peux me parler? Tu te laves? Hey! Moi, ta dentition. Tu m'as même pris un moment dans le jambe. Tu t'es vu? Ça arrive tu là-bas. Tu as ton corps, car tu es sale comme une poubelle. Tu es une ordure. Tu pues de la bouche de partout. Oui. Pourquoi elle ne t'assume pas? J'ai les voix de ton show, le père de ton enfant Stéphane, qui est couché avec lui là, m'a envoyé. Je vais faire écouter ça tout à l'heure, à 16h. Hey! Après, je ton frère et tout. Maman, il y a le genre de femme qu'il ne faut même pas rentrer en clash avec. Il ne faut même pas faire des clashs avec ce genre de personnage. Vous dites qu'on avait la bouche? Hey! Oulala! Vous dites que vous avez la bouche pour insulter les gens. Allez appeler vos côtés, appelez vos amis. On va écouter le Congo, ça, si c'est trop sucré. Maman, c'est beaucoup jusqu'à... J'ai beaucoup. Restez connectés, bipez tout le monde. Et partagez, il faut qu'on soit au moins 500 personnes. Je dis 500, là, c'est seulement 200, combien? 73. Partagez, parce que c'est trop sucré à moi, le Congo, ça, si. Tu m'as dit de faire une pause. J'ai fait une pause d'une minute. Donc, appelle tes amis. Allez, on continue. Sinon, ce sera la rediffusion après. Ce qui va avec. Ok? Ma chérie. Une prostituée. Tu t'en rappelles, tu partais à Ivry sur scène. Elle est photo découpée. Qu'on montait pour t'inscrire au site. Ta copine. Je ne vais pas encore prendre son nom ici. Oui. Parce qu'à 16h, je vais faire le grand déballage. Je vais t'atomiser, ma chérie. Aïe, aïe, aïe. On t'a expulsé du logement. Tu as un an et demi d'impayer le loyer. Tu as envoyé à ton frère que tu vas payer ton loyer. J'ai le message. Je vais le mettre ici. Merde. Tu as envoyé que tu veux. Il faut qu'il te paye la facture de DDF. 600 euros. Tu es une femme. Tu es dribé de dettes. Interdit bancaire. Tu as les fichiers S en France. Tu pirates des hôtels. Tu voles comme la souris. Merde. Tu te demandes le sel, le cube. Tu n'as pas mangé. C'est quel clash. Le premier fils n'est pas. Ne vend pas le chanvre, ne fume pas, j'en ai qu'il est un rappeur. Le rappeur. Le ton plus, c'est l'enfant de moustique. Quel moustique? Ton deuxième fils, tu te rappelles de Tchoumi, c'est l'enfant de Bolé. C'est qui Tchoumi? Moustique charismatique. Oh, tu m'as dit. Tu me parles de qui? Mais tu es une trini, tu n'es même pas une prostituée. Tu as couché avec Pat Diamant, avec Eloge. Hey. Avec Batikala, avec Bodé, avec... Avec Tchoumi, avec le petit frère. Mais fais attention. Hein. Merde. Fais attention, hein. Ma chérie, je vais te démonter. Mais pièce par pièce. Je dis que. Tu as appelé ma femme. Le Japapsi est bon à moi jusqu'à. Allez m'appeler les fausses clasheuses. Hein. Voici le vrai clash ici. La fille, c'est à la bouche. Merde. Tu commandes le sel, le cube. Maman, ton fils fume le chambre. Tu dis qu'il est quoi? Qu'il est rappeur. Maman. Appelez les voisins, pardon, appelez. Merde! Appelez vite, parce que je risque d'effacer ça. Donc, appelez tout le monde maintenant, là. Il nous reste encore combien? Peut-être 8 minutes ou 9 minutes, là, ensemble. Après, je vous fais écouter un autre aussi, attendez.
Ta grand-mère, c'est une lesbienne à Yaoundé. Ta grand-mère, c'est une lesbienne. Elle vit avec une femme à Yaoundé qu'elle a retirée chez le mariage. Ouh, je sais pas de qui. Ta mère est qui? Ma mère, c'est une noble. Ta mère, c'est une sale prostituée. Vous êtes 6, 17 pères. Maman? 17 pères, maman. Tu peux me parler? Tu parles de mon père, de ma mère? Oh, oh, oh. Calme-toi, hein. Doucement, hein. Merde! À qui? J'ai dit que le père est qui est mort de sida? Je veux que ton père est mort à cause de la famine. Ton soi-disant père, le mari de ta mère, de la famine. Attendez un peu. Audrey, comment on peut être que 6 enfants avec 17 pères? On fait ça comment? 6 avec 17 pères. Je sais qu'il y en a qui ont 5 ou 6 avec des pères différents, mais on ne peut pas être que 6 avec 17 pères. Oh! Oh, tchap, tchap. Appelez-moi les clasheuses là, qu'elles viennent prendre les coups ici. Voici le vrai clash, voici la bouche ici là. Quand on dit souvent que l'eau calme est trop profonde, vous aimez souvent provoquer les gens. Parce que vous voyez toujours que Audrey est calme sur les réseaux sociaux, elle ne parle pas. Moi, c'est la première fois que j'entends son clash. Je dis que, wow, c'est bon à moi jusqu'à. Maman, je ne peux pas moi la provoquer, elle a la bouche où elle me dépasse. Hey! Hey! La famille avait fait. Ta maman vient le mariage, elle a caché. À cause de la sorcellerie. Tu peux me parler? Tu peux parler de quelle grande sœur? De Régine? Bon, les gens me demandent, je vais couper. On dit que je ne coupe pas. On me demande, elle, c'est Audrey. Alors, pour ceux qui me suivent depuis, on va dire, parce que moi, ma page, je l'ai créée la première fois en 2013. Donc, ça fait 8 ans, 7 ans, je ne sais plus. Ça fait 8 ans exactement aujourd'hui. Audrey Touareg, c'est celle que Flore avait lynchée, fouquée, la vache folle, avait insultée copieusement sur les réseaux sociaux. Oui, tout simplement parce que Flore a vu que j'étais à une soirée où il y avait aussi Audrey Touareg. On s'est rencontrés dans la soirée et on a dansé, on a échangé un verre ensemble, on a esquissé un pas de danse et tout. Et Flore s'est énervée en disant que oui, que Audrey est en train de l'insulter dans mes vidéos et tout ça. Donc Flore l'a copieusement insulté. Après, Flore lui a demandé pardon. Mais elle n'avait pas répondu à Flore à l'époque là, parce que ce n'était pas une personne qui faisait des clashs. Ce n'est pas une personne qui fait des clashs. Là, si elle répond là aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'elle est arrivée à bout. Là, elle est en train de s'adresser à sa belle-sœur, comme elle a dit au début, la sœur de son mari, qu'il a épousé depuis 25 ans. Donc, pour que vous essayez de comprendre ce que je vais faire, je vais vous faire plaisir ce soir. Je vais essayer de retrouver la vidéo où Fokwe est en train d'insulter Audrey, c'était exactement il y a 5-6 ans. Donc, moi, j'ai tout, je garde tout, je suis un ordinateur, moi. Je ne lâche rien. Je suis pire qu'un Condé, je suis pire que le FBI. Donc, pour que vous essayez un petit peu de vous mémoriser, de vous retrouver, je vais vous partager, après tout ceci, la vidéo où Flore est en train de lyncher Audrey Touareg. Elle s'appelle Audrey Touareg, tout simplement. C'est une belle femme, une Camerounaise. Voilà, je continue. Je vous ai dit de partager, on arrive à 500 parce que c'est trop bon. C'est un bon jeu, papa. Je n'ai pas envie qu'elle aide mon pauvre petit enfant à la DAS. Ok? Qu'elle va prendre petit enfant à la DAS, on va se parler. Pour l'instant, je vais faire 70 directs tous les jours pour toi. Je vais expliquer. Ne manque pas, je vais dire la vérité. Tu n'as pas les meubles, ma chérie. Tu n'as pas les meubles, tu peux avoir les meubles chez toi. Et le canapé. Ta copine a eu le canapé. Pourquoi elle n'a pas donné ta part? Tu as quoi chez toi? Tu veux que ta copine m'a fait le canapé? Et pourquoi elle n'a pas donné ta part? Pourquoi elle n'a pas donné ta part? Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent rien à rien, qui me disent que le nom de Mafo vient faire quoi là-dedans? On m'a posé une question, c'est qui Audrey Touareg? Audrey Touareg, vous avez déjà eu à la voix ici sur ma page, à l'époque, pour les anciens qui sont là depuis, parce que je suis l'une des premières à fabriquer tout ce monde-là. Moi, je suis juste la productrice. Hein. Moi, je ne suis pas actrice. Vous voyez, je ne me donne pas un spectacle tous les jours pour faire des directs, pour raconter ma vie. Je chie, je pète, je mange, je descends, je suis à la gare, je machin. Non. Je n'ai pas le temps pour ça. Le temps, pour moi, c'est de l'argent. OK? Donc, moi, je suis la productrice en douce. Que ce soit comment on appelle ça, beaucoup de personnes, les me-têtes, les machins. J'ai toutes les séries du début, que ce soit même Flore de Lille, tout ça. Vous m'avez demandé qui est Audrey Touareg. Audrey Touareg, à l'époque, Flore l'avait copieusement insultée. Tout ça parce que Audrey était à une soirée avec moi. Voilà pourquoi le nom de Flore apparaît, parce que Flore la connaît aussi. Après, Flore lui avait demandé pardon. Je ne sais pas si son pardon lui avait été accordé, mais voilà. C'est pour ça que je vous parle de Flore. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne me suivaient pas avant, qui ne nous suivaient pas avant. Maintenant, je vous explique. Vous croyez que tout ce que vous voyez là, c'est... Voilà, vous pensez que tout ce que vous voyez là, c'est des filles... c'est des nouvelles qui sont venues après. D'accord? Voilà.
Je voulais juste expliquer pour ceux ou celles qui me demandent c'est qui elle, c'est qui elle. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux vous poster cette vidéo qui date de 6 ans aujourd'hui, si vous pouvez vous rappeler de cette époque-là. Voilà, sinon c'est pas une femme qui a l'habitude de faire des clashs. Voilà. Voilà, donc. Non, Edwige, je n'avais pas la référence, c'est parce que Flore insulte tout le monde, donc tout le monde la connaissait pour les insultes. Elle n'est pas la référence. Elle, c'est elle qui s'est attaquée à cette femme à l'époque. Ce n'est pas cette femme qui l'avait attaquée. Cette femme ne la connaît pas. Elle a copieusement insulté cette femme de tous les noms d'oiseaux. Et moi, j'ai la vidéo. Cette femme ne lui a jamais, jamais répondu à ses attaques. Mais je dis bien jamais. Donc, elle ne peut pas être une référence. Elle a été connue comme ça. On la connaît. Elle a fait, c'est-à-dire, elle s'est faite par des clashs. Moi, je ne suis pas, je me suis pas faite par des clashs. Je n'insulte pas les gens à tout va. Elle, elle s'est faite par des clashs. Et puis, voilà. Et puis, moi, je l'ai produite. Et ben voilà, voilà, c'est tout. C'était sur ma page. Flore n'avait pas de page à l'époque. Donc, c'est pour ceux qui me posent la question et tout. Flore n'est pas une référence. C'est juste, on me demande, c'est qui cette femme? Moi, je la connais. Vous ne la connaissez peut-être pas. Moi, je la connais. Interdit bancaire, chouane, imbécile. On t'a insulté combien de fois? On t'a insulté combien de fois? Tu t'es envoyé ton copain pour te demander l'argent. Parce que tu es allé à Val d'Europe, tu avais payé la bille, tu as payé ta part. On est venu, tu n'as pas payé le loyer, tu parles, on va me mettre dehors, on va me mettre dehors. Animal, tu mens, tu bois, tu pisses sur ton porte comme un cadavre. Merde. Tu es une femme, tu pues des fesses, des oreilles. Ouais. Tu peux me parler? Tu peux me parler? Tu peux me parler? Tu peux me parler, Myriam? Biaga, tu peux me parler? Enfant bâtard, enfant cotisé, tu peux me parler? Tu peux me faire des enfants? Ton premier fils est l'enfant de moustique, le deuxième est l'enfant de Bonnie. J'étais là quand tu couchais avec eux. J'étais lavé. Lavé tes fesses. Tu n'avais pas te laver. Oh là là. Tu as combien de couleurs? Regarde-moi bien. Oh. Regarde-moi, ma chérie. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Elle est chabine, hein? Tu m'as vu? Il n'y a pas les kento. Tu sais quoi? Ta main est brûlée. Parce qu'elle ne sait pas. Elle est allée manger dans le rôle. Elle est brûlée. Merde. Moi, ta main fume le mbanga. Tu as dit, allô, chevaux, j'ai vu la bêtise de l'insomnie. C'est une prostituée. Oui. Je sais pas, même moi, Lucie, là, ça va pas dans ton cerveau. Ça va pas dans ton cerveau. Toi, 10 bandits t'ont violé à Douala. 10 t'ont violé à Douala. Tu es sidéenne. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, tu marches sur les jambes. Tu es sidéenne. Ok? Ok? Ma chérie. Ah, mais alors là, tu t'as même demandé de parler. Je vais te frapper, ma chérie. Aïe, aïe, aïe. Je vais te frapper. Tu dis que tu as quel âge? Ma chérie, tu as 48 ans. Par exemple, tu as 3 mètres de mari de naissance. D'accord. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Tu connais que la personne t'a trouvé 3 mètres de naissance, mon cher. Tu sais pas ça? Je le sais. Tu sais pas? Tu crois pas ça? Quel homme n'a pas encore baisé en France? De pas de diamant passant par qui? Tu es une femme. Ton, le père de la femme, je dis là, t'encules. J'ai ton anus qui est sorti dehors comme ça. À toutes les voix, j'ai les mecs ici. Ton anus qui est sorti. Quand tu l'envoies, ouais, regarde comment mon anus est sorti. Je l'ai. Mais attends. Audrey, attends. Non, peut-être qu'elle a les hémorroïdes, Audrey. Ça doit être ça. Est-ce que l'enculade, ça fait sortir? Ça donne les hémorroïdes? Ouais, les camés. Ouais, vraiment. Attends, je remets. Tes photos font quoi les sites pornographiques? Hein? Tu as une belle photo nuit, tu peux me voir nuit. Je suis une femme, voilà, maman. Ma première fille, maman. 17 ans. Et le bac avait mensonge très bien. Ton pire quoi? Ton pire où? Le fumeur de manga. Le voleur, il est parti chez ta copine voler 5000 euros. Aïe, aïe, aïe. On l'a attrapé, 1500. Tu parles à qui? Tu as enfin les enfants, les gens, tu vas faire la prostitution. Imbécile, chouane. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Merde. Tu es malade au cerveau? Tu parles à qui? Tu as fait la cible? Tu as fait la cible? Tu sais parler français? Tu peux te tenir à table manger? Tu peux te tenir à table, tu manges? Mais t'es qui ou t'es toi? Mais ton problème avec ton cerveau de moine qui te sert à rien, bâtard, va. Bah, tu es né dans la sorcellerie. Que tu es comme le vampire. Là, tes doigts. Comment tu es comme ça? Comme le vampirisme. Ça va pas dans ton cerveau.
Tu vois, tu marches, tu pisses le sang, pareil, ton ami sort à cause de l'enculage. Oui, oh là là. Tu me dis tranquille. Oui, tu me dis tranquille. J'ai ta photo où tu l'envoies, tu te. Voilà mon anus, c'est sorti. Oui. Ok. Tu parles à qui? Mais Myriam, bien, tu parles à qui? Tu te dis, Myriam, bien, tu as un meuble chez toi? Tu as un meuble chez toi? Ton lit qui est chez toi, là, tu as pris ça à une chambre, tu n'as pas payé. Natacha, à sa belle-sœur, je vais vous la mettre après. Imbécile, va. Tu parles à qui? Tu dis, tu travailles où? Tu travailles où? Le blanc qui est chez toi, la voiture, tu as là au nom d'un blanc. C'est au nom d'un blanc. C'est lui qui t'a permis d'avoir parlé au Cameroun. C'est lui qui fait les coups de chez toi. Au nom d'un blanc que tu as pris dans le camion. Ok? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles de mon père? Un prince? Ouh! Mais tu sais pas, ma chérie. Mais tu sais pas, ma chérie. Tu as vu la main de ta mère? Ta mère pisse, ta mère chie dans la rigole. Dans la rigole. Tu te tiens quoi? Myriam quoi? Tu peux porter la vie avec moi? Mais t'es qui toi? Tu t'es demandé à gagner le sel. Tu as commandé un meuble à gagner, Myriam. Myriam, déchet. Tu es un déchet. Tu as commandé un meuble à gagner. Oh tcha. Quand t'as mis dehors, c'est arrivé à prendre la livrer à la voisine, non? Mette. J'ai les preuves. Vampire, sorcière. Quand tu as enterré les chefs, tu vas enterrer ça que j'ai promis. Pas chez moi. Tu as compris? Je vais te frapper correctement et bien. Excuse-moi, hein, je sais pas. Je vais te faire le direct, Myriam. Matin, midi, soir. Et tu vas me présenter le bulletin des enfants. Tes enfants ne mangent pas. Il n'y a pas de maillot chez toi, il n'y a pas de l'eau chez toi. Tu n'as rien. J'ai des messages que tu vas faire ton frère pour te donner l'argent. Oui. Tu vas chasser les femmes de tes frères à cause de la. Tu chasses tous les femmes de tes frères de la maison. Chouane, vampire, sorcière, comme ta maman. Elle a ta mère brûlée. Elle a le sida, tout. Aïe. La famille va la tuer. Elle va mourir bientôt. Oui. C'est quoi? Tu vois quoi? Qu'elle cherche? Il y a quoi? Je parle à Myriam Biaga, la petite soeur de tonton. La mère de tonton envoie Myriam Biaga insulter mes enfants. Je vais mettre le spectacle d'entendre sur Facebook. Ok? Tu as compris? Mais, tu sors d'où? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis que ma mère, mon père, comment ici, là? Merde. Ma chérie. Ouh, on est neuf, maman. Tu nous as mis debout. Ton grand frère. Hein? Qui fait l'enfant chez vous? Qui bande de chez vous? Oui. Qui a un homme qui bande de chez vous? Pourquoi tu veux que tes frères partent du mariage? Hé. Un homme bande. Pourquoi il n'y a aucune femme à mariage chez vous? Pourquoi tes femmes viennent chez vous font in vitro? Oui. Hé. Hey. Oh. Les secrets sont dehors. Oh yo. Tu parles à qui? Tu peux lui demander de manger jambes? Mais Myriam, ton ventre fermé, ta chatte. Que j'ai déjà baladé ça partout là. Tu ne vois pas? Tu l'as coupé trois fois. Regarde comment tu es. Regarde quoi tu ressembles. Tu parles à qui? Ma chérie, rendez-vous à 16h. Je vais préparer les preuves à l'appui. Je vais te faire les directs tous les jours. Je vais te donner la biographie de ta maman, de ton vrai père, du faux et de tous les membres de ta famille. Ok? Hey, appelez, oh! Appelez tout le monde, oh! Je vais continuer le Congo Sassi. Je vous dis d'appeler tout le monde. Hey! Maman, ça a cuit, oh! Ça a cuit! Je continue ou comment? Partagez! Je continue! Bonsoir! Appelez tout le monde! Chose promis, chose due! Ça continue, oh! Oui! Donc, Myriam Biaga, supplieuse de Mangala. Hey! J'espère que tu es là, tu es bien assis chez Mamie Jean. C'est un ordre. Quand je donne l'ordre, va chez Mamie Jean, tu vas, tu t'assois. Quand il dira, tu rentres. Quand il dit, assois-toi, tu t'assois. Comme ça. C'est une assez médiée d'affaires. Merde! Je t'ai vu, tu es très essoufflé là. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas? Ah ouais, je comprends. Parce que quand tu bois, tu pisses sur toi, tu chies sur toi, tu pisses au lit. Comme tu es sale, tu sens mauvais. Hé! Maman,
Comment tu peux supplier le bangalais d'un homme qui t'encule comme ça? Ouais, je reviens, je vais mettre les voices. Et aujourd'hui, je vais mettre une photo de ton anus. Aïe! Parce que j'en ai beaucoup. Tu as vu? Maintenant, revenons à mon bouton. Petite pisseuse au lit. Myriam Biaga. Tu me dis que quoi? Que tu as quoi? Tu as la voiture. Quand je roulais la voiture, tu avais le permis. Quand je roulais avec la voiture, tu avais le permis. Tu dis que tu as la voiture. C'est une voiture que tu as là. Tu as une voiture française qu'on va, on ramasse au marché. Non, tu dis que tu as une voiture. Ma chérie, c'est pas une voiture, ça, là, c'est le papier. Touche ça, c'est le plastique. Touche la tôle, c'est le plastique, c'est pas du fer. Rebecca, partage ça. Tu es à l'école. Tu es à l'école. Tu dis que tu as l'argent. Regarde la maison de ta mère à Yaoundé. Elle vit où? Il y a un compteur snack chez vous. Dans la maison de ta mère, compteur snack. Mais comment tu n'as pas honte, ma chérie? Comment tu laisses ta mère chier dans la rigole et puiser l'eau au puits pour se laver? Tu dis que tu es vétaté de AliExpress. Hé, maman, comment tu peux te comporter comme ça? Avec tes dents pourries, ton anus sorti. J'ai la photo de ton anus. Maman, me fait. Elle me tue. Ouais, tu as la photo de ton anus sort. Ouais, quand je te supplie. Ouais, comment on va ta famille? Ça y arrive aux voices. Je vais mettre les voices. Ouais. Le mbangala. Maman. Ma chérie. Reste là. On a 5000 voices à faire. Tu vas te sucer, tu vas te déshabiller. Tu t'es soufflé derrière comme ça. Maman, couper les semences, c'est pas bien. Hein. Comment, quand tu bois, tu tombes, tu vomis sur toi, tu pisses. Yi, Adama, on peut faire ça. Hein. Tu as dit que tu maîtrises. Tu vas maîtriser l'affaire. Tu as compris? La maison de ta mère est rectangulaire à Yaoundé. Va construire la maison de ta mère, va mettre un compteur snack sur ta maman. Ta maman est folle, enchaînée. Parce qu'elle se droguait sur le mbanga, elle fait la sorcellerie, le vampirisme dans le ventre. Tu as compris? Je te dis ça. Je te dis ça, ma mère. Mon père, ma mère, c'est une femme digne, maman. Tu sais très bien, tu connais ma mère. C'est une femme digne. Tu as compris? Toi, vous êtes combien de pères? 17. Ton père, c'est pas prêté par Paul. Paul là-bas, l'homme marié là. Le frère, le père de ton frère Ndiaye, c'est pas le monsieur Mafang à Douala. Hé, hey, ma chérie. Va là, on a eu. Je t'ai vu là, tu étais en train de tutuber. Tu vas tomber. Je vais t'envoyer au 7e 15 fois par jour. Tu vas partir, c'est un ordre. Tu as compris? Tu vis à mon ordre. Par exemple, tu as une boniche. Quand tu es arrivé chez nous à Douala, tu avais la poussière partout sur toi. Tu lavais les assiettes, tu lavais les plats. Ok? Petite voleuse. Pourquoi tu as pitié de où tu travaillais? Tu as volé là, les vieillards, non? Les secrets sont dehors. Tu as volé là-bas. Tu as la clamette chez toi, non? Hein? Tu es une femme, Madame Flotori d'hôtel. Tu es reconnue par le service de la police. On t'arrête dans les tchatchas tous les jours. Tu payes le tête tchatcha pour aller baiser avec l'homme, pour aller supplier le mbangala. Et il met ta vie dehors. Oui. Tu as compris? Sorcière, malgré tous les chiens que tu as enterrés. Marie-toi, maman. Marie-toi. Tu as volé la langue. Tu as volé la langue. Tu l'as envoyé en prison. Tu es parti payer la maison dans le ravin. Vampire. Tu as une maison. Tu vis où? Tu vis où? Tu dis que tu as l'argent. Tu as envoyé le médecin à ton grave que tu as aidé à 6 euros à payer. Tu n'as pas 2 ans de payer le loyer. Oh, merde. C'est bientôt. Je vais coller tous tes messages. Moi, je parle des preuves. Moi, je ne manque pas. Quand je parle, je fais les preuves à l'appui. Salut, mais ma chérie, mais tu n'as pas honte. Tu sais que tu vis avec quelqu'un qui est la légende. Tu tombes à Z. Et à 5 ans, tu pars à Hollande à voter. Oh, oh, oh. On t'impose, tu accouches, je te bats. Maman, pour parler à un gars, tu payes 2 paires de chaussures. Eke. Pour parler à un gars, pour avoir le mariage d'un gars pour t'enculer, tu payes 2 paires de chaussures. Oh, 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 ma chérie. Mais tu n'as pas honte, maman. C'est grave, Cassie. Je paye ton enfant. Mais je suis une belle femme, maman. Regarde-moi. Je suis une belle femme qui a ton grand frère et qui baise avec le père de ton enfant. Parce que je suis belle, regarde mes yeux. Je suis très belle. Tu as vu? Toi, tu es moche. C'est ça qui te laisse bien derrière moi. Tu vas te suicider. Donc, c'est une histoire de quoi? Attendez un peu. Moi-même, hein? Attendez. Moi-même, là, hein? je ne connais pas le fond de leurs problèmes. Bon, d'après ce qu'on apprend là, ensemble, là, d'après ce qu'on est en train de découvrir, c'est une histoire de Wangala. Donc, elles ont tout mal le même gars.
Belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur ont tout le même gars. Donc, si je comprends bien, elle a d'abord récupéré le frère qu'elle a épousé depuis 25 ans. Et comme ça ne suffisait pas, elle a maintenant pris le gars de la belle-sœur. La belle-sœur qui n'est autre que la petite sœur, je pense, la sœur, la petite sœur de son mari, avec qui elle a eu 3 enfants in vitro à l'hôpital Bichat. Parce qu'elle dit que le type, son mari, ne se lève pas. Qu'il est mou, qu'il ne se lève pas. Et que les enfants, c'est in vitro, les 3 enfants. Voilà pourquoi la belle-sœur appelle ces enfants-là que ce sont des bâtards. Donc, il y a 2 problèmes. Elle dit la belle-sœur traite ses enfants de bâtards. Et le frère, qui est son mari, tonton là en question, ne dit rien. Il y a ce point-là. Deuxième point, d'après ce que je viens d'apprendre là, comme ça, là, sur la vidéo, là, tout de suite, c'est qu'elle coupe. Elle est en train d'arracher le gars. Je pense le père de l'enfant de l'autre fille qu'on appelle Myriam, donc sa belle-sœur. Mais maman, tu es forte, hein? Merde, tu fais ça comment? Donne-moi le secret. Tu es forte. Tu prends le frère de la fille. Maintenant, ta belle-sœur, maintenant, tu veux aussi couper avec le gars. Nous aussi, on écoute. Allons seulement. C'est privé, William. Tu vas regarder ça ici. Comment tu vas faire? Tu as déjà avec le père de mon enfant. Le père de mon enfant, elle avait une fille qu'elle était tuée. Oh, ma chérie. Tu as les plaques et ton ventre. On soulève comme ça. Tu ton anus. On soulève comme ça. Carrément. Tu as les lacs. Les lacs de vergetures. Tu pues de partout. C'est moi qui t'ai appris à te laver, à te nettoyer, à te raser le vagin. Parce que tu sens mauvais. Quand tu te lèves le matin, tu lèves le tabac sur toi. Jusqu'au soir, tu ne lèves pas ta chatte, ça pue. Aïe, aïe, aïe. Aucun homme ne t'assume. Ouais. Ok? Tu peux parler de moi? Tu es à l'école où? Moi, je suis diplômée. Tu as quel diplôme, toi? Tu as le CPE. Tu as le CPE, Myriam Bianga, vampire sorcière, il est clé. Tu as le CPE. Tu peux me parler? Tu quémandes l'huile, le sel sur le voisin. Si c'est Il y a Mathieu. la pauvreté, ça. Lui, le sel, le cube. Tu quémandes l'huile, le sel sur le voisin à gagner, maman. Preuve à l'appui. Je reviens, je vais mettre les voix tout à l'heure, là. Je vais mettre 2 photos de ton anus. Et on va continuer. Je ne vais pas rester très longtemps. Je t'ai dit que je t'ai promis par jour 2 directs. Ça se passe comme ça. Et c'est un ordre, ce que tu vas faire. Mademoiselle prostituée vendeuse de piment. Mais... Hein? La chambre de la mère, là, qu'on t'avait donnée pour vendre le piment à Ivry-sur-Seine, là, on t'a chassé là-bas. Comment tu vas faire? Tu travailles. Mais tu n'as pas de travail. Mais c'est bizarre. Mais tu vas demander de travailler. Mais Myriam, j'ai un immeuble. J'ai un immeuble. J'ai un immeuble. Je suis une femme d'affaires, madame. J'ai conçu l'immeuble, la villa. Tu sais pas ça? Tu peux demander de travailler ou tu peux travailler? Je suis une femme d'affaires. J'ai un immeuble, tu le sais très bien. Mais de... J'ai un immeuble au Cameroun, tu sais. Je touche le loyer, je gère mon immeuble. Toi, tu gères quoi? Tu gères quoi? L'immeuble que j'ai construit avec ma main. Mais... D'accord? Tu sais pas ça? Mais mon ami, mes comptes sont bourrés. La maison de mon père est construite avec le marbre. Au village construit. Finalement, mes parents enterrés, mes parents enterrés. Maman! Ta mère meurt de famine, ton soeur est mort de famine, maman. Tu as pris la maison à gagner, que ton grand avait l'argent. Bah, tu n'as jamais l'argent. Tu as mis à à la maison. Tu t'as commencé à baiser avec la maison pour. Tu as été capable de payer le loyer, tu as épuisé. Tu n'as pas mis un gars à gagner dans ta maison américaine, que tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu n'as pas de Louboutin. Le gars qui a payé le Louboutin, là, hein. Ça fait gâter qui va encore payer. C'est mon ami qui a payé le bouquet, la maman. Mais avant l'autre, on voit. C'est mon ami le feu saut qui a payé le bouquet, un gars digne. Mais. C'est pour l'anniversaire. Tu sais que tu es là, tu sais que tu es là, l'anniversaire. Maman, tu as vu un gars qui t'a fait l'anniversaire pour une fois de ta vie. Tu as fait quoi? Je vois le Congo, ça là. Nadège, tu dis que quoi? Que, construit par toi-même. Dis-nous le Congo, ça, si tu as le Japap, verse tout ici. Donc, ce n'est pas lui qui a construit. C'est comment? Dis-nous le Congo, ça, Nadel Bapa. Et bienvenue. Nous, on accueille tout le monde ici. On continue. La prostitution, la bordellerie, le niveau de la prostitution. Tu baises avec le chien. Tu oui. Baises avec le chien. Quel est le tchatchaman qui m'a baisé à Paris? À cause d'une bouteille de champagne. Ouh là là.
Tu es une femme. Tu peux fêter l'anniversaire comme les jeunes filles fêtent l'anniversaire en France. Petite malheureuse. Tes enfants mangent. Tu enfermes tes enfants à la maison pour aller bourrer, payer, tu les chaussures. Quand tu as enculé ton anniversaire, est sorti. Et j'ai la photo. Ouais. Tu parles à qui? Tu parles à qui, ma chérie? Je vais te traumatiser. Tu es comment tu tombes là? Je sais, tu as l'habitude de tomber, je sais. Mais là, tu tombes déjà seul. Tu es comment tu es? Maman, tu as parti en Asie de folie. Comment t'as envoyé là-bas? Je suis. Maman, chérie, mes condos sont comme ça. Plein bloqué. Je suis propriétaire d'un immeuble, d'une villa, tu le sais. Pourquoi tu veux que je m'arrête de travailler comme toi? Pour voler à mes vieux. Mais je suis pédé, ma chérie. Mais tu veux aller travailler? Pourquoi je ne travaille pas? J'emploie des personnes qui travaillent pour moi. Ok? Ougodou, tu as fait quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vas jamais épouser ton frère. Jamais, c'est pas moi, c'est une autre. Ok? Toi, trouve-toi un mari. Il y a qui t'assume. Merde. La nuit, j'ai percé. Tout est percé sur toi. Oui, maman, la nuit, sort comme ça, René. Oh, oui. Oui. Ma chérie. Ouais, Audrey, c'est comment? Tu supplies, Mangala. Attends, je mets tes voix. J'arrive avec tes voix. Les voix où tu supplies le Mangala. Que c'est comment? Wow, wow, wow. C'est tous les mois. C'est toi que tu m'as fait. Tu payes trois paires de chaussures. Tu as envie, non? Voilà. Je te mets tes voix de supplication de Mangala. Tu as envie? Oh là là. Je te mets tes voix où tu supplies le Mangala. J'en ai comme ça. Je te sortir ta triste vie. C'est un peu. Merde. Mais quand moi, je ne te dérange pas. Je bah, ne dérange pas grand chose. On était tombé d'accord pour le loyer. Tu as dit que tu ne payes pas. On était d'accord pour que tu fasses une petite. Excusez-moi. On était d'accord pour que tu fasses une petite réunion. Tu as dit que tu ne payes pas. On était d'accord que le respect soit mutuel. Moi, je te respecte, c'est pas le. Après 17 ans de vie commune, tu ne peux pas m'officialiser. Je te demande pas d'aller me poser à la mairie. Hey. Ne serait-ce qu'une présentation familiale. Hey. Moi, je ne vois pas de ce qu'il y a mauvais de ça. Au contraire. Supplication de Mangala. C'est quelle supplication ça, maman? Il y a encore les femmes qui parlent comme ça, d'ailleurs, maman, qui parlent comme ça aux hommes. 17 ans, déjà même tu fais quoi? Comment tu peux rester 17 ans avec un homme qui ne t'officialise pas, maman? 17 ans que tu fais ça comment? Et en plus, c'est toi qui supplie. C'est le genre de femme qu'on ne va jamais marier. Je vous donne un conseil, les filles. Si vous voulez qu'on vous épouse rapidement, que les hommes rampent à vos pieds, ne les suppliez pas. Il faut toujours leur montrer que tout ce qu'ils vous font là, tout ce qu'ils vous donnent, c'est zéro. C'est même eux qui vont te supplier que s'il te plaît, épouse-moi. C'est-à-dire que tu le mets au pas. Ne vous donnez pas trop vite. Ça, c'est des filles qui pleurent. C'est-à-dire, il y a certaines filles, elles pleurent tellement le mariage. Elles sont là, elles pleurent. Elles sont prêtes à tout. Dès qu'elles rencontrent un homme, elles sont là. Elles commencent déjà à faire la publicité, à l'afficher partout, à parler de lui à tout le monde. C'est-à-dire, le valoriser. Le gars, même sent même qu'il sent que c'est trop, que vous en faites un peu trop, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, comment tu peux. Franchement, sans me vanter, je n'ai jamais, jamais parlé comme ça à un homme. Jamais. Moi, quand vous m'entendez même d'abord parler, je suis d'abord très sauvage d'abord. Déjà, quand vous me voyez là, donc vous imaginez un peu dans ma vie privée. Je suis d'abord très sauvage. N'est-ce pas, vous dites que ma tête jette l'air. Et c'est la même façon alors que ça jette l'air avec les hommes. C'est quand je ne perds pas le temps. Je suis d'abord très sauvage. J'aurais quel temps pour venir te supplier que, wow, ça fait 17 ans. Il faut au moins m'officialiser, faire les présentations. Les présentations de quoi? Le mariage, c'est vous deux. Si l'homme veut être avec toi, il n'a pas besoin de présentation. Il te prend, il t'épouse, c'est tout. Présentation, qu'on mange ça. Tu te maries pour les autres, tu te maries pour toi. Il faut être sûr de toi, ma chérie. Maman, je n'ai jamais entendu un truc comme ça depuis. Je pense que j'ai jamais entendu un truc pareil. Merde. Je ne sais pas si c'est vrai ce que tu aimes. Je ne sais pas. Bref, moi, je réponds en fonction de ce que je suis en train d'écouter. Oh. Je réponds en fonction de ce que j'entends là. Voilà, ce que Audrey a mis. C'est ce que moi, je réponds, maman. Au départ, moi, je croyais qu'elle parlait, à son frère. Genre à son frère que oui, je t'aime, ou c'est quoi, les réunions, on fait comment. Mais en fait, à la fin, c'est que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, je t'aime, tu ne veux pas me légaliser. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé? Pardon, continue la chanson, j'ai oublié les paroles. Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus prolongation. 17 ans, vous faites ça comment? Tu fais 3 mois avec un gars, allez, je vais être gentil, 6 mois. Si tu sens que ça ne peut pas donner...
tu dégages, c'est tout. Tu dégages. Quand l'homme même a peur, sans qu'il a peur, quand l'homme même a peur de te perdre comme ça, il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est même lui qui va te supplier que pardon, pour te retenir, il va faire tout ce que tu vas dire. Mais supplier comme ça, ce n'est pas la peine. Je suis désolée. Myriam Déchet, Myriam Voirie, quel homme peut t'assurer? C'est la supplication. Maman, tu es fini debout. Tu es. Je continue. Chérie, c'est que je veux que tu comprennes, c'est que moi, j'ai fait presque 2 semaines sans travailler. Et tu sais très bien que moi, je ne rigole pas avec mon travail. Je suis venue à la maison, tu sortais de la maison avant 11h. Je sors de la maison pour aller au travail. Tu ne cherches pas à savoir si ça se passe bien. Mais... je suis au travail, je t'envoie le message. Arrête de me parler de fiancé ou quoi que ce soit. Hey. Tu sais très bien que c'est toi que je veux. C'est pour Léandre. C'est vrai. Améliore-toi un peu pour me rendre. Pour Léandre. Hey. Elle m'a fait sa femme 4-3 fois par jour. Mais toi, ce n'est jamais le cas. Oui. C'est moi toujours qui fais le premier pas. Tu appelles même quoi quand on dit que partout que tu veux me supplier. C'est le contraire, Sévérin. Hey. Pardon, papa. Tu vis avec moi, pas pour les autres. Rends-moi heureuse, c'est tout ce que je te demande. Rends-moi heureuse. Putain, c'est malheureux. Oh là là, ça me fait pitié. Si tu veux le faire, tu peux le faire quand et comme tu veux. Ya, Mia Biaga. Ya. Non, faut pas faire ça. Tu supplies l'homme comme ça là. Pour qu'il t'encule. Non, 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 Audrey, non, là, Audrey, là, Audrey, t'exagères. Là, Audrey, t'exagères, là. Non, Audrey, attends, non, Audrey, là, t'exagères, là. Elle supplie en disant, les autres hommes appellent leur femme au moins 3-4 fois par jour. Mais toi, c'est comme si je n'existais même pas. Rends-moi heureuse, appelle-moi, sois câlin, bébé, bisous, je t'aime, machin, j'ai envie de toi. Apparemment, le gars ne fait même pas ça. Ça, c'est le genre de gars camer, là. Je pense, je sais pas si c'est un camer ou quoi. Bon, j'imagine que c'est un camer, hein. Le genre de gars camer qui se la raconte, là, qui est un peu dur. Le genre de personne que j'aime. Alors, je te tords comme le fer. Je te traumatise d'abord un tour. Tu comprends? Elle n'a pas supplié pour le enculos. Hein, Audrey, toi aussi. Ah, ya, yeah, Audrey, toi, règle. Ya, yeah, maman, tu as la bouche, tu comprends, non? C'est pas l'enculos qu'elle a dit, là. Elle dit, appelle-moi au moins au téléphone, pardon. Rends-moi heureuse. Ouais. Il y a les femmes douces ici dehors, hein. Moi, je crois que je ne dois pas être une vraie femme, moi. Je pense que moi, j'ai un problème. Je vais conclure. J'ai au moins 150 vols chez toi. Calme-toi. Et pour ton fiancé, tout. Reste tranquille. On va faire les vidéos. Calme-toi, ma chérie. Je suis désolée, oui, dis ça à son homme, c'est supplier. Parce qu'un homme qui t'aime, un homme normal, doit savoir qu'il doit t'appeler 5, 6 fois, 10 fois par jour. D'accord? Tu n'as même pas besoin de dire que rends-moi heureuse. Ou bien appelle-moi. Appelle-moi comment? Il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Il ne t'appelle pas, il reste une semaine, il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Il reste un mois, il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Il reste 2 mois, tu l'oublies. Je ne sais pas comment vous pouvez. Vous n'êtes pas sûr de vous. Il ne t'appelle pas pendant un mois, tu trouves un autre mec. C'est quoi le délire? Tu ne vas pas dire à un homme, appelle-moi. Si son cœur ne l'envoie pas t'appeler, c'est qu'il n'a pas envie. Ce n'est pas en le suppliant que ça va marcher, je suis désolée. Tu ne fais qu'empirer les choses, tu seras malheureuse dans ce foyer-là. Comment tu vas dire à un homme qu'appelle-moi au moins 4 fois par jour? Une fois, tu lui fais comprendre ça, mais pas 2 fois. Parce que 2 fois, là, non, là, il y a un problème. Appelle-moi. Comment appelle-moi? S'il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Pourquoi tu vas l'appeler? Il est qui? Il est quoi? C'est lui qui te donne le souffle de vie? Je suis désolée. Tu sais quoi? Le temps, je n'en ai pas besoin. Le temps, je n'en ai pas besoin. Je te répète ça. Je ne cherche plus une autre maison. Tu déménages. Tu vois ta famille. Je vais attendre 50 ans. Tu vois quel âge, ma chérie? Tu vas attendre 50 ans. Mais tu vas attendre une belle femme. Tu vas attendre 50 ans. Mais justement. Wow. Bah, c'est ça. Myriam poubelle, Myriam déchet, Myriam pourriture, Myriam culolo, Myriam la nuit sortie. Exactement, Natacha. Myriam partout, Myriam traînée, Myriam lesbienne, Myriam wolos, Myriam enterrée de ses vampires. Tu veux que je t'envoie un nazi de fou? Tu sais que pas t'envoyer, tu vas aller en fouille. Attends, mon deuxième, hein. Romery, ne rentre pas dans mon slip. C'est comme ça que je vais faire. Qui est en couple?
Qui est en couple? Comment ma femme? Tu as pas de multiples femmes que tu as partout. Et tu sais, tu m'as envoyé une de mes photos que poste-moi. Tu es incapable. C'est même si tu veux aller faire la fille que tu as fait. Hey! Parce que je savais que tu ne pourras pas me faire. Poste-moi. Ma chérie, c'est le problème de ton frère. C'est ma photo et mes enfants. Merde. Tu supplies de me mettre la photo. Maman. Un homme qui t'assume pas, maman. Poste-moi. Tu supplies de me mettre. Maman, poste-moi. Je vous dis que je crois que je ne suis pas une vraie femme. Parce que je ne peux même pas demander à un homme que poste. Moi, je ne peux même pas. C'est-à-dire, ça ne me traverse même pas l'idée. Tu me poses que d'abord, que ça, que je, d'abord, tu me poses. Enlève-moi de là d'abord. Vas-y. S'il te plaît, enlève ma photo déjà. Pour commencer déjà. Parce que je sais que j'en ai rien à cirer. Poste-moi. Tu me poses que je fous quoi avec ça. Mange ça, dis donc. C'est même moi qui te dis, me poste même pas. Si tu tentes d'abord, je te fais les problèmes d'abord pour commencer. Parce que j'aime trop les problèmes. Ta photo, ma chérie. Voilà les trucs. Myriam déchets, oh, Myriam toilette, oh, Myriam pourriture, oh, ma chérie. Yay! Tu as des déchets chez toi. Tu manges. Tu n'as pas à manger. Tu prends encore les pieds, les chaussures, un homme qui t'enfuit, ma chérie. Tu payes la boisson pour aller au camion, fais ta dos. Hey! Comment tu payes la boisson pour aller au camion, pour aller au camion, maman? Ah bon? Qui t'a appris ça? Tu as l'habitude. Tu as fait ça avec le gars de Bonapris, toi tu connais. Comment tu et tu voles pour avec tes frères. Tu voles mais les personnes âgées, pour de nos hommes. Quel homme t'a assumé? Tu as osé me parler. Audrey! Tu vas être comme ta mère. On va t'enchaîner comme ta mère enchaînée à Yaoundé là. Tu as compris, non? Elle est enchaînée, elle t'a dit ça. Va fumer ta mère, tu montres où ta mère chie. Il y a un compteur soleil silencieux chez vous. C'est ça, justement. Poster n'est pas signe d'amour. C'est pour ça que je dis, je ne veux même pas que tu me nommes, me poste même d'abord. Je ne suis, c'est-à-dire, je suis même d'abord un genre là, même d'abord. Je suis d'abord indifférente, parce que je suis comme ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été comme ça. Déjà, vous voyez comment vous m'insultez ici depuis des années. Vous faites des choses, oui, ceci, gna 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 gna. Vous essayez de rentrer dans mon slip, que je vous raconte des choses. Je reste toujours ferme et digne. Je dis même à mes proches que laissez on m'insulte. Je ne veux pas que vous rentrez en compétition avec les gens qui m'insultent, que vous l'insultez, laissez, elle est ça. N'essayez pas de les contredire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Poster n'est pas synonyme de cœur d'amour. C'est n'importe quoi. Pourquoi d'abord poster quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, quand on me poste sur les réseaux? Je ne veux même pas d'abord. Moi, je poste les hommes sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu un de mes hommes un jour. Vous m'appelez tous les jours. Mbrakata, machin. Puis vous m'avez déjà vu poster un homme que c'est mon chéri. Que ça a commencé comment? Chéri, tu veux me dire que tu es un meilleur, peut-être que tu es un conteur, ce n'est qui ta mère. Et puis dans le puits, et je suis dans la rigole, tu veux me parler. Tu as la mère de mon père? Ton frère louait chez mon père. Le côté du mur, tu le sais. C'est là où il m'a connu. J'ai ma voiture rouge. 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 Excusez-moi. Ok. Je suis une prince, un joli prince, parce que moi je suis une princesse Makassa. Voilà. Moi j'ai une identité perdue. Mais c'est alors les enfants de qui? On dit, elle dit que c'est in vitro. Moi je sais pas. Je connais pas ton papa. Je sais pas où tu viens. Je sais pas où tu sors. Parce que ton papa, c'est un homme marié. Il est mort. Si une femme pour la parler, tu veux parler sur la tombe de ton père. Donc, je te donne un petit conseil. Va voir la tombe de ton père. Marie, il est un homme marié. Tu es un enfant de l'infidélité. Ben là, écoute. Ta mère était soi-disant mariée. Et si elle était mariée, ben tu sais. C'est de famille chez vous en fait. Tu comprends? Là, je vais m'arrêter aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Je vais m'occuper de mes princesses, je le sais très bien. Tu vois? Parce que moi, je suis une princesse, tu vois. Regarde ce qu'on appelle femme. Ça, c'est une femme. Toi, regarde comment tu es ridée, tu es fanée de partout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu bois, tu tombes par terre, tu vomis, tu pisses au lit. Qu'est-ce qui t'arrive? Merde! À ce point? Ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Par jour, c'est deux directs, c'est un ordre. Et tu dois aller au 17e tous les jours m'attendre et tu reviens. C'est comme ça à partir d'aujourd'hui. Comme j'ai fini, là, tu vas faire le direct très vite. C'est un ordre. Il te met au travail jusqu'au jour où je t'ai dit d'arrêter. Comme tous les jours, tu vas faire le direct. Tu as compris quoi? Avec les oreilles. Déchets. On continue. Maman, je ne peux pas laisser le Japap. Si je vais continuer. Hey, maman. Je ne savais pas que Audrey avait la bouche comme ça. Hein. Je découvre aussi. Hein. Je suis étonnée. Je dis que mince. La fille, c'est la bouche. Hein. Maman. La fille, c'est la bouche. Maman. Attendez, on va continuer. Je ne peux pas laisser.
C'est trop bon à moi. Hé hé. Hé hé. Ça a cuit haut. Ça a vraiment cuit haut. Attendez, attendez, attendez. Ah, c'est ici. Je vais devoir décevoir beaucoup d'entre vous. Bonsoir, bonsoir. Je C'est la concernée. Bonsoir, me suis dans l'obligation de faire ce petit direct parce qu'à un moment donné dans la vie, tout être humain en a marre. En a marre parce que personne n'a le cœur en pierre. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'on a peur d'un être humain qu'on ne répond pas. Bonsoir. C'est parce que on décide de ne pas répondre à la personne. Mais toi aussi, tu es belle. Mais par considération, pas sa famille. Mais à un moment donné, il faut bien répondre à cette personne. Cette personne, c'est Audrey Touareg. Je vais te répondre aujourd'hui, au vu, au depuis vous du monde entier. Très bien, on est Je vais là. commencer par ces multiples messages que tu as mis sur ton WhatsApp. Je ne t'ai pas répondu. OK. Tu as cru peut-être que c'était la peur. Non, c'était la considération pour mon frère aîné. Au D'accord. jour d'aujourd'hui, je bafouille toutes les lois de la famille et je te réponds. Et tant que tu vas me répondre, on va se faire ça pendant plus d'un siècle parce que c'est ma décision et elle est irrévocable. La première fois, tu as mis ça sur ton statut. Myriam, pourriture, vendeuse de piments, tu n'arrives pas à manger, tu commandes le sel et le poivre du monde. Audrey Touareg, moi, Mbiaga, je suis aide-soignante, fière de l'être. Toi, depuis que tu es en France, tu as un jour travaillé? Tu as un jour travaillé? Tu peux appeler une femme, toi, prostituée? Toi, tu es une prostituée du temps de Ouyoben. Peut-être aujourd'hui, on va s'appeler prostituée. Toi, Audrey Touareg, tu peux appeler une femme prostituée? Partagez. Tu peux appeler une femme Il y prostituée? a du Je bon. suis désolée. Je suis désolée que tu appelles une femme prostituée. Je continue. Parce que pour toi, tu n'as jamais travaillé. Tu étais à l'asile des psychiatriques. C'est pour ça que tu as 100% Non, Yolande, je ne gère pas ça. à la sécurité sociale. Tu es... Effectivement, Yolande Bichek, comme tu me suis, tu m'as déjà vu là, les histoires de que tu es parti mouguer mon gars, machin, tu es parti gna, 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 discuter les machins, machin. Non, maman. Moi, je ne perds pas le temps. Si jamais je sens qu'un gars, une femme, maman, que je me rends compte que ça peut arriver, que je tombe, je quitte en même temps. Ah oui. Moi, je n'ai pas le temps. Vous aussi. La façon dont ma tête jette l'aide là sur Facebook, je suis comme ça dans ma vie privée. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps d'attendre un homme ou de supplier un homme. C'est quoi ces manières de dire appelle-moi 4 fois par jour, mets mes photos sur les profils, je ne sais pas quoi. Pourquoi? N'importe quoi. À l'asile des psychiatriques, je continue. Je vais te répondre pas, au jour, et j'aurai tout mon temps et toute ma vie pour te répondre, toi, au gré, toi, tu ne vaux rien. Tu es une femme, tu peux rester sans fond de teint. Je ne pense pas que tu peux rester sans fond de Mais teint. toi aussi, t'es Tu n'es pas maquillée. une femme, ma chérie. Quand moi je parle, tu ne devais pas parler. Et puis quand je vais parler, je vais te montrer les preuves. Si tu as un bulletin de paie en France, je te demanderai pardon. Moi, je te donnerai tous mes bulletins de paie depuis que je travaille. Oui. Et tu peux taper. Tu peux taper l'USAF, Mbiaga. Tu vas trouver mon nom. Tu peux me parler. Tu sais ce que je te reproche? D'avoir baisé avec le père de mes enfants. Oui. Je vais toujours dire le père de mes enfants. Je ne dirai jamais le père de mon enfant. Je te reproche d'avoir baisé avec lui. J'assume mes dits. Mais Aujourd'hui, je suis à ma mon copine, dos. ma chérie, si c'est comme ça, tu soupçonnes que Audrey a fini à le père de tes enfants. Tu coupes les ponts. Tu es une belle femme, t'en as rien à foutre. Tu les bats à jamais. Je dis bien à jamais. Il n'y a même pas de réconciliation que pour dire que non. Tu bats les bêtises. Pourquoi tu vas faire le. Attends, c'est parti ou quoi? Pourquoi tu vas te Oui, mettre à faire la j'ai fait haine? une rencontre au Cameroun. Tu veux que je te raconte laquelle, je te laisse laquelle? Tu es entré, tu as tripassé. Je connais tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, qui a honte? Qui a honte? Toi, tu peux me parler, toi? Tu es une femme? Tu sais faire la cuisine? Tu pues? Tu pues? Je peux te le confirmer, tu pues? Tu peux sortir chez toi sans mettre le parfum? Est-ce que toi, au gré toi, tu peux sortir chez toi sans mettre le parfum? Tu veux faire le clash? Tu es parti que sur les WhatsApp. Je t'ai pas répondu. Un jour, je suis restée au téléphone avec le père de mon enfant.
Je parlais avec lui. Tu l'as appelé parce que tu avais appris que j'ai eu le 3008. Tu as prétendu que c'est mon frère aîné qui me l'a acheté. Serait un crime qu'un grand frère achète le 3008 à sa petite sœur? Serais-je un crime? Je ne sais pas. Sur le coup de la colère, je lui ai envoyé des vols, des injures. Comme il baise avec toi, il t'a renvoyé ses vaches. Tu as balancé dehors prétendant que c'est moi. Tu as balancé dehors prétendant que c'est moi. Je ne fais pas ces bêtises, moi. Bonjour, Lolo Fodia. Comme chacun dit, je t'envoie un vol, j'efface. Je t'envoie un vol, j'efface. Pourquoi tu effaces? Tu me parles d'enfant, tu m'as demandé aujourd'hui d'aller accoucher. Tu me demandes, moi, un biaga, d'aller accoucher. J'ai Kevin Tankeyo et tu m'ignores. Je peux faire le test d'ADN des deux pères de mes enfants. Je n'ai jamais menti à l'autre que c'est toi le père ou ce n'est pas toi le père. Tu vas aller dans ça avec moi? Tu as un canapé chez toi que tu as fini de payer? As-tu un canapé chez toi? Toi, que tu as fini de payer? Tu n'as pas un canapé chez toi. C'est mon ami Tchekeli Christelle qui t'a sorti les canapés qui sont chez toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pu payer. Tu n'as pas pu payer. Tu peux même parler? On t'a dit que je porte les habits de Saint-Denis, moi? Je ne mets pas les vêtements de Saint-Denis. J'en ai ras le bol. Ça, ce n'est qu'un avertissement. Maman ministre. Tu as baisé avec le père de mon enfant, lui. Aïe, aïe, aïe. Tu as baisé avec lui, j'assume. Tu vas faire ça qu'avec la mère de son enfant qui pense que. Qui fait comme si elle ne voit pas, pourtant elle sait ce qu'il en est. Moi, je ne cherche pas l'amitié. Hein. Je ne gratte pas l'amitié, moi. Je ne cherche pas les gens avec qui, sur qui compter. Je compte sur moi-même. Tu as compris? Je compte sur moi-même. Toi, tu peux appeler une femme prostituée? Tu peux appeler une femme prostituée? Tu es une prostituée du temps du Ounoben. Tu es quitté d'Ogré, Toilette à Ogré, quoi? Tu es quitté d'Ogré, Toilette à Ogré, quoi? Les Gabis sont quittés de Touarette à Range Rover. Toi, tu es quitté de quoi à quoi? Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Tu as cru un instant que tu devais créer quoi? Tu as le courage de parler de ma maman? Tu as le courage de parler de ma maman? Tu en as tellement fait. Personne ne t'a répondu. Moi, la dernière fille de Madame Bette et de Monsieur Bette, je te réponds. Tu as prétendu que mon père est décédé avant... Celui que je prétends être mon père, moi, si je le célèbre. Toi, tu as dépensé un jour 1 euro pour faire le deuil de ton père. C'est moi et ma famille. C'est mon frère qui a fait le deuil de ton père et de ta mère. Toi, tu pouvais faire quoi? Toi, tu pouvais faire quoi? À partir d'aujourd'hui, tu me réponds, je te réponds. Mon Facebook, il est ouvert. Qu'on copie, on t'envoie. Le père de mes enfants regarde. Qui copie, t'envoie, puisque vous baisez ensemble. Je te réponds. À partir d'aujourd'hui, je te répondrai tous les jours que Dieu a créés. J'aurai le temps pour toi. Apprends à ne plus mettre trop de fond de teint. Demain, je fais le direct sans mes corps. Tu es une femme? Tu es une femme? Tu es une femme depuis que mon frère, depuis que tu prétends que tu n'es plus avec mon frère, quel est l'homme qui t'a mis en haut? Tu es quitté de quoi à quoi? Quand moi, je suis arrivée en France, les sacs à main que tu portais, c'était pas du n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Même la Chine est mieux. Hein? La Chine est mieux. Tu ne portes que, je ne sais même pas. Le plus bas des gammes de la Chine. Merde. Tu as compris? Tu peux me parler, toi? À un moment donné, arrêtons. Arrêtons. Tu es une femme? Tu es une femme? Une femme qui allait en asile de psychiatrie peut parler aux autres? Ah bon? Tu m'as demandé d'aller accoucher, moi? Aujourd'hui, à 42 ans, je te dis que je cherche l'enfant. J'en ai deux. J'en ai deux. Kevin et Junior. J'en ai deux. Et trop fière d'avoir mes enfants. Ah oui. Je suis trop contente de mes enfants. Tu me demandes d'aller accoucher. Tu dis ça à qui? Tu dis ça à qui? Je suis arrivée au Cameroun. Mon frère m'a appelé, m'a dit, Myriam, la petite soeur de la folle, de la liée mentale, a besoin de voyager. J'ai pris mon passeport et ma carte de résidence. J'ai donné à ta sœur. C'est après qu'elle me dit que Myriam, ma propre grande sœur qui me ressemble, elle est tellement méchante. J'ai ce message sur Facebook où elle me demandait pardon. Hein. Calme-toi. Tu as arrêté de dire que toute ta famille, c'est les sorciers. Arrête rapidement ce que tu fais là. Je vais te mettre au carrefour. Maître. Je vais te mettre au carrefour. Peut-être une blogueuse t'avait clashé. Tu as failli te suicider. Je t'ai soutenu. Peut-être c'est moi qui va t'amener au suicide. Voilà. Elle parle de. Elle parle de Fokwe. Quand elle dit qu'une blogueuse t'avait clashé, tu as failli te suicider. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Donc, elle parle de
de Fokwe, en fait. Voilà, c'est ça. Je n'écris pas sur mon WhatsApp. J'ai fait le Facebook. À partir d'aujourd'hui, je t'offrirai les directs. Quand tu réponds, je te réponds. Et s'il te plaît, en venant faire le direct, ne mets pas le fond de teint. Parce que tu mets une marmite. Tu n'es pas une femme. Ma chérie, tu crois qu'on m'a donné le nom Myriam Versace? Ce n'est pas moi qui ai demandé. Hein? C'est pas moi qui Versace est par ci, Versace est par là. De quoi? J'ai un jour baisé avec un homme que tu connais. Tu as baisé pas un de mes hommes. Mais celui qui m'a le plus fait mal, c'est que tu as baisé avec le père de mon enfant. Mais ça, c'est... Vous êtes quel genre de belle-sœur? J'assume, tu as baisé avec lui. L'histoire est vraie. Je croyais qu'il allait me laisser. Hey! Je croyais qu'il pouvait t'acheter une chemise. Est-ce que c'est vrai? J'ai l'habitude de m'acheter, mais je suis désolée. Ta belle-sœur? C'est possible ça? Parce qu'il a su toute la manipulation que tu faisais, ça c'est votre problème. Et je te parle de toi et moi. Tu as insulté la chair de ma chair. Ma mère, mon trésor. À partir d'aujourd'hui, je te réponds. Tu as dit tout à l'heure que je sors, tu me suis pour bagarrer. Mais à ma grande surprise, tu es resté là comme l'hippopotame, tu ne t'es plus levé. Je t'attends. Je veux répondre à tous tes directs. Je te dis, je n'ai pas peur de toi. Tout est direct. J'ai acheté 2008 nouvelles, 3008 nouvelles versions. Tu as pleuré. J'ai tes messages. C'est quoi 3008? Le jour où tu appelais le père de mon enfant, je t'ai enregistré. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu as collé ici un biaga prostitué. Tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Tu es mon aîné de minimum 7 ans. Mais tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Je suis arrivée en France te trouver. Tu veux que je t'étale? Tu veux que je t'étale? Comment ta jalousie a commencé quand mon arrivée en France? Parce que j'étais régularisée bien avant toi? Tu veux que je t'étale? Moi, tu m'as vu avec qui tu étais avant. Quand je vois même ton ami Ngamgo que tu as jalousé toute ta vie, qui est tranquille dans son coin aujourd'hui. D'accord. Bon. Merci, maman Mini. Dans la quoi, la L3, je sais pas quoi. C'est une Peugeot, c'est une voiture. D'accord. Je pensais que c'était un... Je ne savais pas c'était quoi. Bon. Les Congosseurs, c'est qui Ngamgo? Envoyez, je ne sais pas qui est Ngamgo, Ngamga, ton ami Ngamgo, je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, détaillez-moi ça. Sois distant. Tu as pris tout le monde qui était près de moi, tu as mis dans tes fesses. Ça t'a donné quoi? Qui est ridicule? Qui est ridicule? Je te pose la question. Qui est ridicule? J'ai dit, mon père est mort avec toute ma malchance. Ça veut dire que je suis devenu l'éclair filant. Celui qui m'attaque. C'est moi qui lui montre la vérité. Merci, Tatiana. Oui. Tous tes messages que tu mettais sur ton WhatsApp, toi et moi, on n'est pas amis sur WhatsApp, mais je les ai. Hein. Moi, je suis amie sur WhatsApp. J'ai tout vu. Tu prononces le nom d'une déesse. Ma grande, c'est française. Ma grande, c'est... Ah, moi, je suis amie avec Audrey Touareg sur WhatsApp. Oh. J'ai lu tout cela. Je ne disais moi rien. Oh. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle porte l'histoire sur les réseaux sociaux. J'ai dit, OK. Maintenant que c'est sur les réseaux sociaux, nous allons nous amuser. Moi, je voyais tout, maman. Elle t'a lavé propre. Je ne savais même pas que c'était toi. Tu as été copieusement lavé. Merde! Elle t'a insulté, hein? Maman, on peut insulter quelqu'un comme ça, là. C'était... Elle te lavait le matin, elle te lavait le soir sur les statues. Le matin, le soir. Jusqu'à ce que maintenant, l'histoire arrive là, comme ça, dans les vidéos. Hein? Et surtout qu'elle a mis ça en public. Donc, je peux partager, hein? Il n'y a pas de souci, hein? Travail! Moi, encore même, je suis que dans les associations. Moi encore, je suis qu'à Nouvel Horizon, à bien à la maison. Ma grande s'est embauchée par l'État. Tu peux nous parler? Tu peux nous parler? Toi, tu as quelle soeur? Tu m'as, à moi, tu as accusé ta propre petite soeur, même père, d'avoir baisé avec ton homme. Hé, doucement. De quel homme alors? Ne fais pas, il veut sortir de mes gars. Ne fais pas, je veux te faire. Tu vas fuir la France. Parce que tu en as tellement parlé, je ne t'ai jamais répondu. À partir d'aujourd'hui, mets la date ici. Mais cette date. Olivia Pop. Dans ton répertoire. Avocat du diable, elle me dit. On n'est pas amis sur Facebook. Mais j'ai des amis en commun avec toi. Quand tu prononceras mon nom, je vais te répondre. Je parle avec des preuves. Parce que d'aucuns qui me connaissent vont se dire Myriam, depuis quand? Pourquoi tu fais ça? La première fois où tu as fait un direct de ce genre, c'était pour répondre à une famille il y a longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Elle envoyait Myriam, prostituée, tu peux me parler avec les habits pourritus. Tu manges quoi? Ordure.
Ouais, vraiment de Dieu. Myriam, salité, prostituée, tu t'habilles chez AliExpress. Tu peux me parler des habits ordures. Ma chérie, je suis la seule fille en France, parmi tant d'autres, qui n'a que ce qui est bon. Nous tous on mélange, mais j'ai des choses que je ne mélange pas. Chaussures, c'est mon nom. Chaussures, c'est mon nom. Ne porte pas un Versace que c'est le faux. Peut-être je l'ai fait entre avant, au jour d'aujourd'hui. Je suis fière de moi. Tu peux me parler? Toi, tu peux me parler? Tu vas avoir tes petits oisillons qui croient en toi. On a mis avant de sortir de chez toi. Et c'est, je suis venue en direct. Ah ouais, Nelly, Olivia, c'est vrai? J'ai d'arranger ma maison. Hein. Tu as compris? Tu n'as pas eu besoin. Tu dis que ma belle, tu... Attendez, deux secondes, je réponds à Nelly, Olivia, Mouiko. Donc, tu es au courant de cette histoire? Je réponds à elle parce que nous sommes amis dans mon Facebook privé. Hein. C'est pour ça que je lui réponds. Moi, j'étais au courant à travers les statuts. Hein. Ça date peut-être de 2-3 mois. Comme ça, c'est tous les jours comme ça, répétition. Et moi, je voyais ça, je rigolais parce que c'était trop fort. Maman, les insultes de ça, c'était des statuts. Dit qu'on a lavé, séché la femme. Si moi, je ne savais même pas que c'était elle. C'est maintenant que je découvre son visage. Je ne savais même pas qui était cette femme. Je ne la connais même pas. Hein. Je ne connais même pas. Et bien, j'écoute, je ne savais même pas que c'était la belle-sœur d'Audrey ou la sœur du mari d'Audrey ou je ne sais pas trop quoi. Ou... Je ne la connais pas. Et en plus, là, j'ai vu une vidéo. Visiblement, elle a participé. Vous savez, le mariage, j'étais il y a 3 semaines. Elle était là parce que j'avais vu dans une vidéo. Je ne l'ai pas remarquée dans la salle, mais elle a partagé une vidéo où elle avait mis la tenue. Le mariage où Flore devait venir le dimanche. Elle a porté la tenue où elle tournait ses fesses-là qu'elle allait. Elle est venue me trouver là. Elle était là aussi, mais comme je ne la connaissais pas, je ne la connais toujours pas. Bon, là maintenant, je la découvre. C'est une jolie femme. Ta baisse, tu baises avec l'homme de ta baisse. Je ne cite que celui-là parce que c'est ça qui m'a fait mal. Parce que j'en ai plein. J'en ai plein que tu as fait ça. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu me parles de quoi là? Quand je m'assieds au 17e, je croise mes pieds. Oui, quand je m'assieds au 17e... Attends. Nelly, Olivia, Choumi, c'est qui alors? Choumi, c'est le père des enfants de cette dame, de Mireille, là. Parce que tu as dit, je suis au courant, mais de grâce, jamais Choumi a une relation avec Audrey. C'est qui, Choumi? Quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est sa belle-sœur, quand même. Elle est la sœur de son mari depuis 25 ans, comme elle-même, elle a dit, le père de ses enfants. Donc, c'est un peu étonnant de savoir que d'aller coucher avec le père des enfants de sa belle-sœur. C'est quand même bizarre. Bon, c'est qui, Choumi, s'il te plaît? Dis-nous. Croise mes pieds, oui, parce que je peux compter le nombre d'hommes que j'ai sortis au bout de mes doigts. Ma nièce chérie, avec tout le respect que je te dois, s'il te plaît, je ne vais pas te décrocher là tout de suite. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon direct. Je pense que cette fille a cru qu'il n'y avait personne de la famille pour lui répondre. J'ai pris la décision, je lui réponds. D'accord, maman ministre. Plaît, ma nièce, merci. Je ne peux pas prononcer ton nom, s'il te plaît, ma nièce. Bon, si Choumi, alors, n'a pas couché avec Audrey. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle affirme? Pourquoi est-ce qu'elle accuse Audrey d'être sortie avec le père de ses enfants? Parce que là, toi, maman ministre, tu me dis que c'est faux. Il y a Olivia aussi qui m'a dit que c'était faux. Donc, c'est quoi cette histoire, finalement? Alors, c'est le père de l'enfant. C'est le père des enfants de cette fille, Myriam. Et c'est le père de ton dernier fils. D'accord, Nelly. OK. Et jamais, il n'a été avec Audrey. Mais pourquoi est-ce qu'elle accuse Audrey? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle le dit? Il y a quelque chose. Hein? Mon Dieu! Tu peux me parler, toi? Tu peux me parler? Tu marchais avec Ngamgo ici. Tu as monté tous les coups sur Ngamgo. Tu as vu comment elle est aujourd'hui? Ngamgo, c'est qui? Loin de toi, elle a émergé. Loin de toi, elle est bien avec sa famille. Pourtant, une fille qui t'a hébergé chez sa grande sœur en France. Elle t'a hébergé. Mais tu étais devenu son ennemi juré. Pourquoi? Parce que tu as vu. Parce que tu as vu la valeur d'une femme. Toi, tu peux me parler, toi? Tu peux me montrer un bulletin de paye? Tu peux me montrer un bulletin de paye que tu as déjà eu en France? Tu as déjà fait combien de temps? Tu as fait combien d'années en France avant d'avoir la résidence de 10 ans pour vol à l'étalage? Mais Audrey est française. Tu as fait combien de temps pour avoir... 10 ans. Moi, je sais qu'elle est française. Vol à l'étalage. Ça, ce n'est que le début de ta vie privée. Je veux prononcer les noms de tous tes grands frères et de tout ce que tu disais d'eux. Même ton petit frère, même toutes tes petites sœurs.
tu devrais même pas parler. Ta grande s'accouche un enfant autiste, c'est toi qui te vantes partout, c'est toi qui m'en parles d'elle partout. Hé, hey, por favor, un peu de respect, toi. Ahora, yo estoy aquí. Entiendo muy bien. Entiendo muy bien, je fais partie des femmes que quand je sors avec un homme, si je lui donne la considération, tout ce que je veux, il me donne. Coucou, Anita. Oui, je peux citer. Oui, être ou ne pas être, je le suis. Tu crois que j'ai mis ça pour rien? J'ai mûrement réfléchi. Moi, je sais qu'elle est française, Audrey. J'ai mûrement réfléchi. Elle m'a toujours dit qu'elle était française. Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Tu es la plus grosse hypocrite de la terre. Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Ce n'est que l'entrée en matière que je te fais. J'attends. J'attends ta réplique. J'attends ta réplique. Je vais te sortir ton dossier. Je vais te sortir ton dossier. Quand on trouve qu'un homme n'accouche pas, on ne quitte pas faire les enfants, on officialise le père de l'enfant. Pourquoi le matériel vous intéresse comment? L'homme, j'ai deux enfants. Celui qui croit ou bien qui a imaginé qu'il n'est pas le père de mon enfant, je lui donne les papiers, je lui donne l'autorisation, on va faire le test d'ADN. Oui, Biaga, j'assume ce que je dis. Dans un de tes messages ici, tu as dit que mon premier enfant a six pères. Mon premier enfant a six pères. Mon deuxième enfant a cinq pères. Toi, quand tu vois mes enfants, n'est-ce pas les photocopies de leur père? D'accord, Nelly. Je mets chaque enfant avec leur père sur les réseaux sociaux. Oui, je veux le faire. Il n'y a aucun enfant que les pères de mes enfants ont fait ailleurs qui ressemble. Qui leur ressemble comme les miens. Oui, parce que la période féconde pour moi est sacrée. Oui, je te le dis. La période féconde pour moi est sacrée. Chaque femme sait ce qu'elle fait. Je suis une bordel. Patricia Mel, est-ce que je sais? Mais quand c'est pour faire l'enfant, je sais faire le discernement. Ouais, encore? Tu t'attaques à qui? Tu t'attaques à qui? À partir de maintenant, je te réponds. Oui, je sais que ma famille va dire non. À partir d'aujourd'hui, je te réponds. J'étais au Cameroun. Tu as écrit sur ton WhatsApp pendant plus d'un mois. C'est tes mêmes amis, tes mêmes baiseurs qui m'envoyaient des messages. Est-ce que je t'ai répondu? Tu penses que j'avais peur de toi? Tu penses que je ne pouvais pas aussi écrire? Mais je n'ai pas fait. Parce que j'étais en vacances. Je profitais de mes vacances. Tu as même prétendu que moi, je prête l'argent pour donner à un des pères de mes enfants. Va encore bien causer avec lui. Quand il te baise, demande-lui encore que mais ce que tu m'avais dit là, est-ce que c'est vrai? Quand l'homme n'a pas, le seul homme qui peut manger mon argent sur la terre, c'est qui? Il se reconnaît. Hey. Le reste là, ah bon? Tu es petite. Je vais te saquer. Si tu es une femme et que tu as le cul, demain, je suis chez Mamie Ja. Toujours bien pincé, toujours bien sapé. Les habits de Saint-Denis que tu portes là, je vais t'enlever ça sur toi. Tu as beau parler, il ne t'a pas répondu. Prenez le direct, amenez où vous voulez. Je ne paye pas les blogueurs. Hein. Parce que toi, tu vas aller appeler. Oh, elle m'a insulté. Insulte aussi. C'est seul, je te réponds. Vous êtes deux. Que j'ai répondu comme ça en direct sur mon Facebook. J'ai une femme. Tu dis que tu es ma belle-sœur. La femme de mon frère. Tu t'allies à tous mes démons. Mais je t'ai prouvé que je te dépasse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, avec ses propres démons, là, tu es où? Tu te rappelles, non? J'ai toutes tes conversations. Tu te moquais même d'eux sur mon Facebook. Mais je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Tu t'es mise debout là, tu étais comme l'hippopotame. Hé. Hey. La salive, c'est pas gratuit, hein. Parce que vous allez dire la salive, toi, tu as l'argent pour payer la salive. Laisse l'argent là, ne paye pas la salive. Va t'offrir une belle chemise. Une belle chemise. Arrête. Tu avais trop le niveau avant. Arrête de te souiller un peu de partout. Tu peux poser un sac, la police dit on ne prend pas pour déchirer. J'ai eu l'ex, tu as fait ton ami avec, mais il connaît que tu as une grosse commère. Tout ce que tu lui disais, il m'appelait, il me disait, il te dégage. Tu peux me parler.
Tu veux que moi, je te détruise en France? Tu vas aller que dans le milieu des Aïwa. Ouais, je suis que dans le milieu des Camerounais. Parce que Bella, me ne. Anita. Oui, regarde-moi bien. Je suis la productrice. Tu peux m'insulter. Toi, tu peux m'insulter? Tu peux m'insulter? Oh mon Dieu. Parfois, tu ne réponds pas aux imbéciles. Ils se disent que c'est parce que tu as peur d'eux. Ah non, tu ne vaux rien. J'ai tes balles. J'ai les balles pleines. Plein. Et tu sais que tu as plus d'ennemis en France que moi. Tu le sais très bien. Mais je n'ai même pas envie d'arriver jusque-là. Parce que je n'ai pas besoin de... Aidez-moi à détester. J'assume seule. La continuité, c'est après ta réponse. Et tu vas me dire quel est mon père qui est décédé avant M. Becker David qui était mon père. Toi, tu vas me le dire. Parce que tant que tu ne me dis pas ça, je ne te laisserai pas. Espèce de n'importe quoi, déchet de la nature. Une femme qui mal parle même de ses entrailles. Pour ceux, c'était juste mon coup de gueule pour ce soir. J'attends ta réponse pour te prouver que je suis... Man! Allez, mettez-moi Tchakala VIP. Je m'en fous des belles sœurs. Et Yang Ayop, ah, bon, on va lire les captures d'écran. Elle a posé les captures d'écran, tiens. On va lire. Je vais lire pour vous. Myriam, pourriture, tu peux parler d'habits avec moi. Pourriture, tu manges, paye d'abord ton loyer, ordure. Très bien. Myriam, déchets, je te donne rendez-vous demain au 17e. Je vais te frapper correctement, t'apprendre à te laver, déchets. Tu peux me parler, pauvre chose, Molos. Moi, je disais tout ça en privé avant vous. J'ai lu ça en exclusivité, hein. Myriam, pourriture, tu peux parler d'habits avec moi. Pourriture, tu manges, paye d'abord le loyer. Bon, on va continuer rapidement, c'est pas fini. Ah, elle nous revient, Myriam. Attendez. Je m'en fous des belles sœurs. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que les belles sœurs, ce n'est pas bien. Les belles sœurs, ce n'est pas bien. Voilà, faites attention aux belles sœurs. Bonjour. Bonjour. Hier, j'ai fait un direct. Je pense que mes amis qui me reconnaissent et mes ennemis savent que c'était un peu dans l'attention. Je me suis très bien réveillée ce matin. J'ai bien dormi et on va aller point par point. Ok. Et on ne va pas être pressé parce que j'ai du temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment du temps pour cette folle parce que j'ai pris la décision de lui répondre. D'accord. J'ai dit, j'attendais qu'elle l'écrive pour que je puisse lui répondre. Mais je vais d'abord aller pas à pas. Je vais commencer par le sujet de ma maman. Toi, tu m'as demandé d'aller faire la toilette à ma maman. Anita. Tu m'as demandé. Et là, Gayop. La toilette à ma maman. Madame Becker est chez elle, à domicile. D'accord. Donc, la seule personne qui peut frapper Myriam, c'est sa co-épouse Nelly Olivia. Audrey ne peut pas Myriam. Ah, ok. Donc, Olivia, Nelly, qui a mis avec moi sur mon Facebook privé, est sa co-épouse. C'est bon, ça commence à venir. Je commence à comprendre des choses. Une de ses enfants qui a conçu sa maison, c'est elle et son mari. Elle a la ménagère. Je vais te répondre aujourd'hui. Mais comme je sais que tu as le gros cœur, tu vas continuer à vociférer ce que tu vostifères là. Je ne vais pas faire un direct désordonné. Je vais faire un direct très ordonné. D'accord. J'ai mis sur mon mur que je te réponds d'abord par rapport à ma mère. Après ma mère, je vais te dire ce que tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait venir de moi. Putain, le président est en train de m'appeler, je ne sais pas pourquoi là. Peut-être qu'il veut me dire quelque chose. Peut-être qu'on l'a appelé pour lui dire que je suis en direct, que je suis en train de partager les directs et tout. Et là, du coup, je pense qu'il veut me dire quelque chose par rapport à ça. Mais non, je ne suis pas sûre. En tout cas, là, il vient de m'appeler. C'est lui qui m'a interrompu. Bon, je vais lui dire de m'envoyer un message là, parce que si je coupe là, c'est compliqué.
Tant c'est ce que tu as décidé, c'est de cette maladie-là que ta décennie est décédée. Toi, je vais prendre tout ton entourage pour témoin. Ma maman est venue en France pour ton mariage. Elle avait l'eczéma. Tu as dit partout que ma maman était atteinte du sida, comme aujourd'hui tu dis pour moi, mais ça c'est pas un problème, je te réponds même pas pour moi. Mais rien me laisse, j'ai laissé. Je prends pour témoin Doris, qui était chez moi à la période-là. Elle a amené ma maman à l'hôpital. Elle a amené ma maman à l'hôpital. Désolée, c'est le président qui m'appelle. Tu parles avec elle, hein. Il faut lui demander. On a fait tous les tests. C'est elle qui accompagnait ma mère à l'hôpital parce qu'elle prenait ma mère comme sa mère. On a tout fait. Partagez. Tu as fermé ça dans ta bouche. Tu as mis ça dans ton ventre. Je ne t'ai jamais répondu. Parce que si elles font ça, c'est parce qu'elles veulent une large diffusion. Peut-être que tu as cru que j'avais peur de toi. Et c'est parce que ma famille me disait toujours non. Si un fou te gifle, tu n'as pas besoin de répondre au fou. Mais aujourd'hui, tu n'es même plus folle. Tu es plus qu'au folle. Mais je vais te répondre. Et je vais toujours marcher droite. Parce que tout ce que tu as mis sur ton mur, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Tout ce que tu écris sur ton mur, c'est du réchauffé parce que tu as longtemps dit ça. C'est toi qui devrais avoir honte. C'est toi qui devrais avoir honte. Je t'ai dit, n'écris pas. Va t'asseoir comme moi. Comme le matin, sans péril, tu viens faire un direct. On va voir à quoi tu ressembles. Je vais pas. J'ai dit, c'est pas. Je vais pas faire le désordre. Tu n'as pas dit quoi de ma mère? Tu n'as pas dit quoi de cette pauvre femme qui a pris? Peut-être que ton mari ne t'avait pas dit, je te le dis aujourd'hui. L'argent qu'on t'a doté avec, l'espèce qu'on t'a doté avec. Non, pas l'espèce qu'on t'a doté avec. Tout le repas qui a été fait chez toi, ma mère avait donné à son fils 350 000. Ce que je dis là, j'assume. Je t'ai dit à toi. Hier, yeah, devant les gens, que tout ce que tu vas faire, je vais te répondre. Elle a donné 350 000, on a fait ta dot avec. C'est elle aujourd'hui que tu insultes. C'est pour ça que tu es allé à l'asile des psychiatriques. Oui, et tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début. Parce que tout se paye ici-bas. Salut Ivana. On t'a longtemps laissé. Tu as cru que c'était la peine. Je suis debout aujourd'hui pour toi. Je suis debout et prête à te répondre à toutes tes attaques. Toutes tes attaques. Prête comme ça. Tu as raconté, ma mère c'est une sorcière. Ma mère t'avait amené chez un crédit praticien pour te tuer, ma mère. Mais tu es sans ignorer que je n'étais pas un enfant. J'étais déjà j'avais peut-être 18 ans. C'est toi qui disais que ton oncle, le jour de ton mariage, t'a donné un jujube percé. Ça veut dire qu'il a percé ton ventre. Tu as voulu que je te mette dehors. On devait te mettre dehors. Et quand ta famille va écouter ce direct, ils savent que ce que je dis, c'est la pure réalité. Maître, le jujube percé. La pure réalité. Ça fait le tout. Oh, il m'a donné le jujube percé. Oh, son sorcier. Si j'ai bonne mémoire, il est déjà mort. Parce que je vais même me rappeler de son nom. Je vais donner ça là. Bonsoir, Sandra. Toi, tu pouvais un jour t'asseoir, parler de ma mère. Tu as parlé. Elle est où ta mère? Elle est où ta mère? Merci Ivana, diamant brut. J'en viens. Au gré toi, arrête, tu as cherché ton adversaire qui va te traumatiser. Tu vas fuir. En tout cas, depuis que tu as fui le milieu camerounais, hein. Si ce n'est pas les fêtes comme hier, comme ça, là, je ne te vois plus. Hein. Ton Dieu, celui qui t'a lavé, je dis bien te laver et te rincer, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Je t'ai dit, je t'ai promis. Que je vais t'insulter. Je vais t'insulter au gré toi. Arrête, tu es au gré déchet aujourd'hui. Quand toi tu parlais, il y a beaucoup de filles en France qui rêvaient
Maître, arrêtez le sac à main que tu avais. Même comme c'est ma famille toujours qui te donnait les billets pour aller au ventre privé de Dior. Si tu as dit bon Dior chez toi, c'est ma grande soeur de Rony qui donnait les billets des ventes privées, on partait ensemble. Tu peux me parler. Tu peux me parler. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Comment on te répond pas? Tu es zélé. Tu es zélé. Tu peux. Toi, au gré toi, tu peux. Tu peux. Est-ce que tu oses parler de Madame Belle? Tu as vu cette femme debout à son âge? Une femme qui a fait 6 gestes. Même moi-même, je ne suis pas belle. C'est une bombe. Quand j'arrive au Cameroun, tu me suis sur tous mes Facebook. Tu regardes bien. Tu ne vois pas comment elle est bien entretenue. Tu ne vois pas comment elle est bien entretenue. Elle est valorisée par sa dernière fille que je suis. Ah oui, elle est valorisée par sa dernière fille que je suis. C'est une étoile. C'est une étoile, ma maman. C'est une étoile. Tu parles de ma mère? Tu parles de ma mère? Une déchet de la noiture que sa mère morte sur du sida avec son père? Tu peux parler de ma mère? Tu as voulu qu'on arrive jusque-là. Je vais te traiter. Merde. Je vais te traiter. Tu as parlé que de Marabout. Bonsoir, Solange Mafou. La seule femme qui va chez Marabout. Ta mère allait où? Ta mère allait où? Toi-même, tu allais où? Toi-même, tu allais où? Maman. Toi-même, tu allais où? Je t'ai dit que si tu as le cul, à 16h, je suis chez Mamie Jean. Je viens que pour toi. Si tu es une femme. Rendez-vous. Ouais, comme dit Popotam, je ne t'ai pas trouvé. Tu as mis sur un de tes messages que corps divisé en 6, en 28. Me voici, maman. Je cherche même encore comment aider mes gris. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici. C'est pas gratuit, hein. C'est payant. C'est pas gratuit, c'est payant. J'ai fini le sujet de ma mère. Tu m'as demandé où je travaille. Je vais énumérer un peu, je vais me rappeler de ce que tu as raconté. Tu m'as vraiment demandé où je travaille. Discuter pour un homme. De un. Et tu m'as demandé. Tu m'as dit que qu'est-ce que mes nudes font sur un site pornographique. C'est vous comme ça qui pouvez mettre mes nudes partout. Mais comment elle a fait pour avoir tes nudes? C'est comme ça qu'ils pouvaient mettre mes nudes partout. Tu crois que quand tu vas du nude, ça va surprendre qui? Mes nudes ont baladé pendant 2 ans via toi sur tous les réseaux sociaux. Mais comment elle a fait pour avoir tes nudes? Aime bien la fille de papa bête que ça a changé quoi sur moi? Tu as vu moi? Les nudes l'ont changé quoi sur moi? Tu ne peux que dire que c'était dans un site de prostitution, ça ne me dérange pas. Mais comment c'est comment elle a fait pour avoir tes nudes? Je ne comprends pas. Tu es la première prostituée. Tes nudes ont fait comment pour se retrouver chez elle? Parce que toi, tu es une prostituée du temps de nos ancêtres. Vous avez fait comment pour avoir les nudes? Tu n'as même pas pu faire quelque chose avec sa prostitution. Si mon frère te met dehors chez lui, tu vas vivre où? Non, mais moi, mon problème, c'est comment elle a fait pour avoir tes nudes? Je ne comprends pas. Ta belle-sœur. Tu as un poteau où tu as mis au Cameroun? Ou bien tu as un terrain que tu as acheté quelque part. Mais elle a dit qu'elle a l'immeuble. Tu es la poubelle de la nature. Tu es parmi les prostituées les plus sales, les plus malheureuses de la terre. Une vraie prostituée ne peut pas avoir la voiture que tu as là. Ce n'est pas la voiture, ça. C'est les tombées du camion. Maman, donnez-moi le Congo, ça. Oh. Toi quoi? Le jour que Nelly Olivia a tapé l'angassi à la veille de Tchoumi, c'était du Naïelele. Elle a sorti le grand TK, elle n'a rien compris. Donc, Olivia l'avait tapé. Maman, le Congo, ça c'est. Olive a tapé la dame si. Tchoumi est mort, je ne comprends pas la veille de Tchoumi. Explique-moi. Tchoumi est mort, tout mort. C'est une femme, c'est un homme, c'est quoi? Bon, moi, mon problème, c'est que comment t'es nude se retrouve chez ta belle-sœur? T'es nude. C'est pas ta camarade, c'est pas ta copine. Vous étiez proche à quel niveau? Vous vous lavez ensemble, vous faites comment ensemble? Vous faites comment pour qu'elle puisse avoir tes nudes? Et que tes nudes se retrouvent partout. Vous faites même d'abord les nudes comment d'abord? Je ne comprends pas en fait. Allez, tu m'as mené sur cette direction-là. Je ne t'ai pas demandé de montrer les bulletins de paie que quelqu'un travaille avec tes papiers. J'ai dit de montrer les bulletins de paie que tu Ah, d'accord. Donc, ces nudes en question, c'est sa co-épouse Nelly qui avait volé ces nudes dans le téléphone de leur mari à deux. Et le mari, là, s'appelle comment? C'est lui, Tchoumi, qui est... Je ne sais pas. C'est qui le mari? C'est qui?
D'accord, je commence à comprendre. Non, voilà, je ne suis pas bête. Ok, c'est la coépouse qui a volé les nudes dans le téléphone de leur mari, qu'elles ont toutes les deux. Et toutes les deux ont les enfants avec le même monsieur. Et voilà comment la coépouse a mis les nudes dehors. Et les nudes se sont retrouvées donc chez la belle-sœur. Ok, je comprends. Elle est levée un jour en France le matin pour aller travailler. Tu ne l'as jamais fait. Jusqu'à tu veux me parler. Tu veux me parler. Tu veux me parler. C'est doucement. J'ai le temps pour toi. J'ai tes balles. J'ai tes balles à gogo. Tu as cité un nombre d'hommes sur ton message. Les noms des gens même que je respecte. Je n'ai même pas envie de citer les noms là. Je sais que beaucoup de gens ont lu ça sur ton mur. Tu as vu quel homme parmi ces hommes-là être un gigolo comme celui qui vivait chez toi, que tu as dit qu'il a baisé avec ta petite soeur. Il ne dit pas que tu as dit à quelqu'un, hein, à moi. Tout c'est moi, c'est pas baiser. Le fils du roi Baleine, ou si c'est qui qu'il a. Tu as accusé ta propre petite soeur d'avoir baisé avec lui. Tu veux me parler? Tu veux me parler? Merde! Tu as une fille comme moi qui a 20 ans en France. Congo, ça, c'est bon à moi jusqu'à... 20 ans en France, qui n'a pas eu plus de 5 à 6 copains en France, en 20 ans. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas comme toi qui es mariée, tu es mariée. Je ne suis pas comme toi qui es d'accord, mariée, Nelly. Qui devait même valoriser et respecter son mari, mais toi, tu es la poubelle. Je suis une femme libre. Il paraît que tu avais tapé la gassie jusqu'à... Je me suis mise... Merde. ...avec le père de mes enfants. Que j'ai commencé même à être... Il paraît que tu l'avais tapé, tu l'as tapé correctement. Et maintenant, elle donne rendez-vous à Audrey, qu'elle va taper aussi Audrey. Mais je ne comprends plus rien. Mais vous discutez même quoi comme ça? Là, elle t'a insulté, t'as manqué de respect, c'est quoi? Merde! Les Camerounaises sont graves. Hein? Je n'aime pas. Lui, là, je l'épargne. Je l'épargne. Parce qu'il ne m'a même rien fait. Je n'ai même aucun problème avec lui. Je l'épargne. Je l'épargne. Parce qu'il m'a toujours soutenu, même quand on a mis mes nudes dehors. Il était là. Ma grande sœur, tu m'appelles du Cameroun, je ne te prends pas le téléphone. Vos histoires, arrête là, c'est terminé. Je ne te prends pas le téléphone. Ne m'appelle pas. Maman ministre dit que le Congo, ça, là, est sucré à mort. Nul ne peut me demander de laisser. C'est que depuis hier, j'ai effacé mon direct parce que j'ai eu au moins ce... Ah, d'accord, Nelly, je comprends. J'ai pris la décision. D'accord, voilà. Je comprends, elle avait insulté ton fils de bâtard. D'accord, alors que ton fils est le frère de ses enfants aussi. Hein? Donc, c'est à vie, c'est un lien de sang. Ton fils est le demi-frère de ses enfants. Et elle a dit que ton fils était un bâtard. Donc, il n'était pas le fils de votre gars, on va dire, de votre gars en commun. C'est ça, non? Hey, le Japapsi, maman ministre a dit que le Japapsi est sucré à mort. D'accord. Mais je comprends, j'apprends les choses avec vous, mais je ne savais pas tout ça. Hey! Laisse mon téléphone en bas, s'il te plaît. Comme j'étais en train de dire, c'est toi qui es femme mariée, hein? Mariée en France, mariée au Cameroun. Deux fois, un homme t'a célébré. Ce que tu lui as montré, c'est quel respect. C'est quel respect. C'est quel respect. C'est quel respect. Parce que ta merde, je la connais. Ta merde, je la connais. Je t'ai dit hier. Je sais pas comment on bloque. Je vais chercher comment on bloque. Envoyé, tu n'as pas bien écouté. Réécoute bien mon direct. Je suis prête pour toi. Je suis prête pour toi. Ma petite prête. Je suis prête pour toi. Je sais pas comment on bloque. Je vais essayer de bloquer. Excusez-moi une minute. Parce que tant que je ne lui réponds pas, elle va toujours m'appeler. Puis ça va me... Je vais perdre le fil de mes idées. D'accord, je comprends maintenant. Donc, toi, tu ne peux même pas parler à une femme. Tu ne peux pas parler à une femme. Moi, je ne veux pas me répéter comme toi. Hein. Oui. Bonjour, ma mère, s'il te plaît. On va s'appeler vers 11h comme ça, parce que je suis en direct, s'il te plaît. Non, non. Non, je te rappelle dès 11h. Il n'y a pas de souci. C'est le bon travail. William Carrel. Tout à l'heure. Donc, comme j'étais en train de dire, tu as vociféré, tu as écrit le nom de plein de gens sur mon mur. Ce sont des hommes. Hein. Même
D'après moi, il y a d'aucuns là que tu as même cité leur nom pour rien. Mais ce sont des hommes. Des hommes qui savent qu'il faut donner l'argent de béni à une femme. Ce ne sont pas les hommes qui laissent leur chez eux pour venir vivre chez la femme. Je t'ai dit que tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Tu es entouré que des gens qui te haïssent vu ton comportement. Vu ton comportement, tu n'es pas une femme. Je vais toujours partir d'abord dans le passé. Oui, Audrey Touareg est toujours mariée à son frère, officiellement. Je suis arrivée en France. Je suis tombée enceinte de mon diamant. Oui. Tu es venue te coiffer chez ma grande soeur à Boulevard Ney. Rose-Marie, j'adore. Mairie. Tu as tapé une crise des malades. Il dort. Je ne connais pas ce monsieur Tchoumi. Je ne connais pas. Naïve et avec tout le respect que j'avais pour toi, malgré que tu avais déjà fait des conneries avec des valeurs au Cameroun, mais j'ai laissé tomber. Tu veux que je cite qui, je laisse qui? Tu veux que moi, je cite qui, je laisse qui? Si tu ne te reconnais dans rien de tout ce que je dis, ne réponds pas. Mais tu es consciente que tout ce que je dis, c'est la pure réalité. C'est la pure réalité. Lolo Fodja, tu sais que moi, je n'ai pas de parti pris. Dieu merci. Je vais commencer par où? Dessus, je me suis dit, ah, ce n'est pas un problème. Je suis partie. J'ai été régularisée en France avant toi. J'ai eu... Donc, Tchoumi vit avec celle-ci, avec Myriam. 5 ans. D'accord. Tu voles l'étalage avant d'avoir tes 10 ans. Je comprends pas. L'autre dit là-bas que tu voles. Elle aussi, toi, tu dis aussi qu'elle vole. Vole l'étalage, que tu voles, que tu travailles dans une maison de retraite où tu as volé les vieux. Et c'est pour ça que tu as perdu ton travail. Toi aussi, tu dis que tu voles. Un coup, elle dit que tu sens. Toi aussi, tu dis qu'elle sent. Moi, je comprends pas. Hein. Essayez d'être clair un peu dans vos clashs. C'est quoi? Vous vous répétez comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous, chacun prend les insultes de l'autre? Dites-nous la vérité. L'autre vole, l'autre clash, l'autre insulte, l'autre... Bah, ça, c'est toujours la même chose. Moi, je comprends pas si vous dites ça parce que l'autre a dit ça. Alors, vous devez aussi dire la même chose. L'autre dit que ton fils fume le champ. C'est un voleur. Il a volé 5 000 euros. Jusqu'à on l'a attrapé, il manquait 1 500 euros. Toi aussi, tu dis que l'autre vole. Ah, pardon, arrangez-vous. Hein. Voilà, moi, je vous dis ça. Tu avais ta copine. Je pensais même que vous étiez parenté. Elle sortait avec un monsieur, le père de son enfant. Il s'appelait Emana. Tous les matins, quand j'étais chez toi, tu appelais ce monsieur pour faire le commérage du nom de ta copine. Qui peut-être venait de sortir de là pour aller travailler, parce qu'à l'époque, elle faisait garde enfant. Le titan chauffait quand sortons pour titan, pendant qu'elle se lève le matin pour aller... Oui, ça chauffait à mort le titan, je connaissais. Mm-hmm. Tu es sur tout et en même temps rien. Tu parlais d'elle à tout le monde. Je prends pour témoin le gars qui vivait avec nous, bébé. Tu es un être humain. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu prononces le nom d'une femme qui allait te doter. Princesse, 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 princesse mon cul, ouais. Nadège Bapa, c'est ça qui est bon. J'ai même pitié de toi. Ça c'était calmé, elles auraient enlevé ça. Déjà supprimé les directs, mais elles n'ont pas fait. Une femme, ce n'est pas dehors, ouais. Hein. Quand elle sort ses habits, elle est partie chercher ça dans les trous un peu partout avant de les porter, hein. Tu sais que je te connais comme ma pomme de main, non? Tu sais que je te connais comme ma pomme de main, non? Pour fouiller ton un de tes t-shirts, tu sais où tu les retrouves, non? Tu es sale comme le porc. Finalement, vous vous renvoyez la balle, alors? Toi, tu ne dois même pas parler à une femme. Ça date de combien d'années? Une dame t'a vendu la crème pour ton corps, tu n'as pas pu payer. C'est moi qui avait dit que ouais, ma copine, laisse comme ça. Laisse, c'est notre femme. Je tais son nom sur ce direct. La prochaine fois, je ne vais pas taire son nom.
t'es rendu compte que je ne te calcule pas, que tout ce que tu fais, je m'en fous. Tu as contacté une femme, une fille, maman ministre, qu'elle dise des choses à mon sujet. Elle a dit, ça ne m'a pas dérangé. Elle m'a revu, elle m'a dit, Myriam, j'en suis désolée, je suis passée là-dessus. Je suis passée là-dessus. Tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas fait quoi? Tu prétends être ma belle-sœur. Parce que maintenant, je dis prétends. Je viens vers toi. À l'époque, ça fait, j'habitais encore à Gani. Si ça fait moins, c'est 10 ans. Je te dis qu'à ma connaissance, c'est comme si le père de mes enfants flirtait avec une fille. De Tchoumi, là. Tu me rappelles, tu me dis, ah oui, je remarque. Wow, 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 wow. Tu es devenue grande soeur et petite soeur avec cette fille. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu es une femme qui n'a pas honte. Peut-être tu es entourée des gens qui n'arrivent pas à te dire la réalité, la vérité. Tu devrais avoir honte, ne serait-ce que pour ça. Tu devrais avoir honte, ne serait-ce que pour ça. Tu n'es pas une femme. Tu manques de compagnie. Tu manques de compagnie. Donc quand tu vois un peu où il y a faille quelque part, tu t'accroches. Quand toi tu me vois là, il manque de compagnie. Elle a dit que tu suppliais l'homme. Quand tu te lèves le matin, tu cherches sur tous les téléphones à qui tu vas parler, de qui. Ah, non, non, j'aime pas le temps là, ma chérie. J'aime pas le temps là. J'ai même pitié de toi. J'ai même pitié de toi. Quand je veux sortir quelque chose, mais je n'aurai pas pitié de toi. Tu as cité peut-être 6 points qui m'intéressent sur ton mur. C'est quoi? Ma mère, je t'ai répondu parce que ta mère est même morte très jeune et sud de Sida. Carmel Johnson. Je suis de Sida. Moi, je peux te montrer le bilan de santé de mon père. Décédé. Celui que je reconnais être mon père. Pas ce que tu m'attribues là. D'accord, mamie pas Jacquard. Ce que tu m'attribues là. Audrey est devenue amie avec Olivia juste pour choquer Myriam. Je quitte dessus. D'accord. C'était le numéro 1. Le 2. Okay. Tu m'as dit que mes nudes sont sur un site pornographique. Ça ne me dérange pas. Si tu as pris ça pour faire ta page avec, ça veut dire que je suis une très belle femme. Oui, je n'ai pas 25 couleurs. Je n'ai pas 25 couleurs. Ça, c'était le deuxième point. Toi. Donc, tu peux dire à un être humain qu'il a atteint du sida. Parce que tu bonsoir, as. Bonsoir, Elise. Vous êtes là, hein? Ne quittez pas. Bonsoir, Elise. Bonsoir. iPhone a coupé. Oui, il faut que ce soit refroidi. Je ne sais pas quoi. Là. Comme ça fait déjà plus d'une heure que je suis en direct. Comment je vais faire là maintenant, alors? C'est la dernière. Ah oui, mamie Jacquard, c'est la dernière petite soeur de son mari. D'accord. Ok, on va commenter parce que je ne sais pas ce qui se passe là. Petit problème de iPhone. Bonsoir Sylvie, bonsoir. Maman, le Congo, ça, j'ai trop fait le Congo ça aujourd'hui jusqu'à iPhone me dit que oh, ça a trop chauffé ou quoi, quoi, quoi. Pourtant, j'ai la batterie, hein, je suis en charge. Hein. Bon, je ne sais pas, il y a trop de Congo ça. En même temps, ça fait plus d'une heure aussi, hein. Donc, on ne peut pas rester au téléphone pendant plus d'une heure. Ça veut dire quoi? Au téléphone, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne sais pas. Hein. Bon. J'ai un petit problème avec mon iPhone, là. Je sais que vous êtes en ligne, là. Je vous vois. Et du coup, j'ai perdu la connexion. J'ai tout perdu. Apparemment, Apple ne veut plus le Congo, ça. C'est terrible. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Tout d'un coup comme ça. Après plus d'une heure. Mais bon, peut-être que je dois revenir. Je ne sais pas quoi faire là. Bon, on va commenter. On va commenter, on va débattre. Maintenant, j'ai compris l'histoire.
Si je n'avais pas mis l'histoire là, sur les réseaux, là, sur ma page, je n'allais jamais rien comprendre. Moi, je voyais aussi comme ça depuis 2 jours, mais je ne comprenais pas trop bien de quoi il s'agissait. Donc, je me disais, mais c'est quoi le problème là, en fait? Je ne comprenais pas, je connais pas, je ne comprenais rien. Le seul acteur que je connais, c'est Audrey. Donc, moi, j'écoutais seulement, je regardais aussi. Même les statues là, tout ça. Moi, je lisais aussi comme ça là, je regardais. Oh, oh. Caprice des dieux. iPhone, c'est un téléphone bracata. Je ne sais pas. Ça me met tout d'un coup que oui, iPhone a besoin d'être refroidi. Et ça me fait un truc rouge. Ça me met juste que les urgences. Que si je veux appeler les urgences. Mais ça m'a déjà fait ça. Ce n'est pas la première fois. Mais ça, c'est quand je suis en direct Facebook. Alors qu'au téléphone, je reste souvent les 2 heures, 2 heures et demie. Ça ne me fait pas ça. Peut-être que ce n'est pas la même chose avec les vidéos. Ouais, ça ne doit pas être la même chose. Hein. Voilà, du coup, tout est parti. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de résoudre le problème. Je reviens. Restez connectés, hein. À tout de suite.